Donc vous avez passé une nuit reposante suite à votre petite rencontre avec des brigands du clan Uvale. Vous les avez, vous en avez tué certains, pourchassé, enfin fait fuir d'autres. Vous avez récupéré tout ce qui était intéressant, de l'argent, des armes, mais aussi cette espèce de corne dans une corne de créature, vous n'avez pas encore pu identifier ce que c'était, recouverte de cerclés de métal. Et recouverte de runes, possiblement magiques. Vous avez passé donc, vous êtes reposé, vous avez une bonne nuit de sommeil, repos, nourriture et tout ça a fait que le lendemain matin, quand vous êtes levé, ça allait beaucoup mieux, même si pour toi, Runa, tu sens qu'au niveau du Vitner, c'est encore un petit peu fragile. Tu sens que ton lien est encore un peu, est encore légèrement perturbé. Svea a pris deux tours de garde dans la nuit parce que quand elle vous a vu rentrer, enfin les rejoindre après ce qui, et raconter ce qui vous est arrivé, elle a décidé de prendre deux tours de garde en proposant qu'en échange, par contre, dans la journée, elle allait dormir un peu dans la charrette. Colgrim, naturellement, a monté la garde aussi. Vous êtes débrouillé. Vous avez passé une nuit tranquille mais très froide. Que je vous rappelle, ça fait déjà plusieurs jours que la température a énormément diminué. Et là encore, au matin, quand vous êtes réveillé, il y a encore du givre un peu partout, sur la charrette, autour de vous. Les plantes crissent quand vous êtes levé pour marcher autour du camp. C'est une question qu'on n'a pas posée, ça. Tu peux nous donner une température, à peu près, qu'on voit un peu comment on peut réagir par rapport à ça. Ah bah c'est simple, hein. C'est vraiment très très frais ou ça va encore? Ah non, la nuit, il gèle, hein, la température descend à zéro. Hein. D'accord. Donc, Et la journée, ça remonte jusqu'à combien? ah bah, la journée, ça a du mal à dépasser les 10 degrés. D'accord, ok. En temps ordinaire, il fait à ce moment-là de l'année, vers là où vous approchez tout doucement de la fin de l'été, normalement, il fait une vingtaine de degrés. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc c'est vraiment violent, ok, d'accord. Vous avez repris donc votre route. Une légère brume qui descendait des collines, puisque entre Hallwind et Storhaven, c'est un endroit où il y a pas mal de collines et quelques petits bosquets. Donc là, il y avait pas mal de filets de brume qui descendaient pendant une partie de la journée. Et une fois que vous avez sorti de la zone de collines, quand le terrain s'est fait un peu plus plat, vous avez commencé à sentir la brume s'est un peu dissipée. Le ciel est un petit peu couvert, et le vent arrive de l'est, vous amenant un peu les senteurs de la mer, une odeur un peu salée qui vous arrive, un air salé qui vous arrive comme ça. Et au loin, vous avez très vite aperçu votre destination. Vous avez commencé à y avoir aussi pas mal de fermes aux alentours, et vous avez distingué donc Storhaven qui se trouve juste en bord de mer. Puisque c'est un port, c'est un petit port de commerce. Et lorsque vous arrivez, en fait, il y a quelques maisons qui sont à l'extérieur de la palissade. Il y a plusieurs, vous avez vu, hein, dans la palissade, il y a plusieurs portes. Il y a au moins trois portes du côté de là où vous arrivez, avec à chaque fois un pont qui enjambe. Une rivière qui doit mesurer à peu près 4 mètres de large, 4-5 mètres de large. Et donc voilà, vous avez pu passer sur un pont. Vous êtes arrivé en milieu d'après-midi, fait que voilà, il y avait encore un peu d'agitation. Il y avait quelques gardes qui étaient là à l'entrée qui vous ont pas embêté plus que ça au moment où vous êtes arrivé. Vous avez pu voir aussi que à l'entrée des ponts, il y avait pas mal de statues de bois sculptées représentant Stormy, Vindina ou d'autres dieux, avec parfois des paniers avec des offrandes au pied des statues. Et donc, ah oui, j'ai oublié, je te partage la carte de Storhaven. Et je savais bien que j'avais oublier un petit truc. Et donc sur ce
C'est pas forcément une ville très très grande. Il y a, en grosso modo, il y a peut-être 5000 habitants entre les gens qui habitent à Storhaven même et toutes les fermes aux alentours. Et vous avez pu distinguer deux bâtiments qui surplombent un petit peu toutes les maisons de Storhaven. Un bâtiment que vous pensez probablement être la maison longue. Alors, t'inquiète pas, le token est un peu gros, je vais réduire les tailles. Donc, probablement la maison longue d'un côté et une autre extrémité de Storhaven que vous pouvez identifier comme étant un temple voué à Stormy. Les édifices voués à Stormy, en règle générale, c'est des bâtiments à plusieurs niveaux et très en pointe. Donc ça, voilà, ça dépasse allègrement au-dessus des maisons. Bêtise. Voilà, ça ira mieux déjà. Comparé à Garsheim, c'est plus gros, plus petit. C'est plus gros. C'est plus gros. Okay. Comparé à Jägersheim, ça doit être facilement 2 ou 3 fois plus gros que Jägersheim. D'accord. Donc vous êtes arrivé par la porte la plus au nord de côté. De là où vous êtes arrivé, puisque bon, ça vous le découvrirez peut-être plus tard, mais il y a une porte tout au nord et une porte tout au sud, et la baie qui mène vers la mer. Donc, quand vous arrivez, la journée, donc comme je vous disais, l'après-midi est plutôt bien avancée. Vous croisez pas mal de monde, il y a de l'agitation, il y a beaucoup de gens dans les rues. Et très vite, vous trouvez devant un grand bâtiment aussi, qui est en fait tout simplement une espèce de taverne-auberge. La taverne-auberge qui est la taverne de la tête de troll. Alors, il n'y a pas de tête de troll qui trône au-dessus de la porte pour décorer, pour accueillir les gens. Mais voilà, c'est juste c'est la taverne de la tête de troll, il y a beaucoup d'activités tout autour. Vous êtes arrivé en fait par une porte qui mène sur un quartier assez marchand. Il y a pas mal d'échoppes. Il y a même une petite place qui donne au niveau de l'auberge où il y a des marchands qui ont installé des échoppes, voire même juste mis quelques planches au sol avec des produits à vendre, ce genre de trucs. Et j'ai envie de vous dire, bah, que faites-vous une fois arrivé à Storhaven? Ben, je sais pas, je vais discuter avec ma soeur pour voir ce qu'elle veut faire. Je te dis, t'as envie de. Bref, là, t'as envie d'aller vendre tout ce qu'on a récupéré l'autre nuit, là, ou. Parce que moi, je pense que je vais m'occuper de Colgreen et de Hilde, parce qu'on les a amenés là où on devait les amener. Donc, je vais peut-être m'occuper un peu d'eux. Peut-être que toi, de ton côté, tu veux peut-être aller revendre ce qu'on a récup, je sais pas, ce que tu comptais faire, dans un premier temps. Écoute, dans un premier temps, je pense qu'on se trouve un endroit pour dormir et manger Oui, mais ce soir. je vais m'en occuper, ça, si tu veux. T'en occupes? Ouais, je vais m'en occuper, si tu veux. Ah, d'accord. Bah oui, je vais aller Du coup, avec tu vas y aller avec la charrette, parce que tu vas pas te trimballer. Par contre, Rona, moi je pensais la charrette la garder pour la suite du voyage. Étant donné qu'on est amené à dormir encore dehors et qu'il fait de plus en plus froid, je pense que les nuits, on appréciera d'être un peu abrité. Bah oui, tu sais, je pense que maintenant, au niveau argent, on s'est quand même bien renfloué la nuit dernière. Donc ouais, on peut la garder, ouais, bien sûr.
Et par contre, je lui dis, et pour le cheval, tu fais quoi? Tu vas le revendre aussi ou tu le gardes? Le cheval en plus? Que là, vous avez, du coup, Oui. vous avez deux chevaux et une charrette pour l'instant. Non, on a un cheval en plus. On a un cheval en plus. Ah, oui, vous aviez acheté deux chevaux à la base. Oui. Plus le cheval que vous avez récupéré. Ok, ouais. Vous avez trois chevaux, ouais, effectivement. Sachant que le cheval que vous avez récupéré, il était scellé, harnaché, tout ça. On sent que c'est plus un cheval de monte qu'un cheval de trait, comme ceux que vous avez achetés pour la charrette. Et ça sera un plus cher du coup? Ça a un peu plus de valeur, ouais. Bah, je sais pas, je te dis, c'est toi qui vois, hein, reste, hein. Si tu veux le garder, tu le gardes, sinon tu le revends. C'est comme tu veux. Par contre, j'essaie juste de mettre de côté s'il y a des éléments qui peuvent faire identifier l'origine de tout ça. Bah, il y avait les boucliers Voilà. du clan Alors, Louveil. clairement, les boucliers. Ça, les boucliers, on voit tout de suite que Ah. c'est le blason du clan Houvel dessus, hein. Ça se cache pas. Et là, on est dans le territoire Houvel ou pas? Alors, non, vous n'êtes plus dans le territoire du clan Houvel. Ah, je l'ai lu l'autre jour, je l'ai plus en tête. Mais vous êtes sur le territoire d'un autre clan. Alors, j'ai plus le nom. Non, mais c'est pas grave, c'est Mais en tout juste. cas, c'est un clan qui n'est pas forcément. N'est pas forcément hostile avec le clan Ouvey. Ouais. Du coup, je Ouais. préfère peut-être les boucliers, les repeindre ou les. Enfin. Ça va te prendre du temps de retirer le. Et encore, ce sera peut-être pas forcément Que ça le peut être plus efficace, mais. mal pris ici si on vend des boucliers du plan Ouvey. Bah, si on est en même temps, on s'est fait attaquer, Refna. Je suis désolé, mais bon. T'as qu'à juste dire la vérité. Hein. Enfin, on va peut-être éviter Après, ça. je te laisse seul, juge. Tu fais comme tu veux. Il y a des Moi, chances je dirai la vérité. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. que les boucliers, si. Enfin, que t'en tires pas un grand prix vu que ils sont marqués. Sont marqués aux armes du clan Ouais, Ouvel. bon, je laisse les boucliers de côté parce que je veux pas qu'il y ait le cousin du frère tu vois, qui reçoit, mais c'est le bouclier du fils de la cousine de ma mère, tu vois. Tu penses Le que ça monde pourrait est arriver? petit. Le monde est petit. D'accord. Et donc pendant ce temps-là, si j'ai bien compris, Runa, tu vas t'occuper de trouver un logement et de voir aussi avec les. Avec Colgrim et Hildeux pour voir ce qu'ils veulent faire, parce que je les ai amenés là où je leur ai promis que je les amenais. Maintenant, je vais voir ce qu'ils veulent faire en fait. Je me rappelle plus s'ils voulaient prendre le bateau ou je sais plus. Alors, ça c'est. En fait, le truc c'est que quand t'as discuté avec Colgrim et avec Hilde, c'est vrai qu'ils t'avaient dit qu'ils allaient à Storhaven, mais. Alors lui c'était un tisseur de Vitner, tu savais pas trop ce qu'il. Il avait été un petit peu vague dans ce qu'il voulait faire. A priori. Vous avez l'air de dire qu'il voulait un peu recommencer une nouvelle vie, peut-être sur place. Mais la possibilité de prendre un bateau aussi n'est pas excluante. Par contre, eux, ils venaient d'une région où ils auraient fait beaucoup moins de route pour prendre un bateau. Notamment, ils venaient pas très loin du village de Umger, un village dont je vous ai déjà parlé, qui se situe à l'extrémité sud-ouest des terres du clan Wulfur, et qui est une espèce de point de départ pour des raids. Donc ils étaient dans ce coin-là, ils auraient pu largement aller, ils auraient voyagé beaucoup moins que ça pour atteindre un port pour prendre un bateau. Mais quand ils m'expliquent ça tous les deux, je comprends quoi? Je comprends que eux, ils aimeraient s'installer ici, c'est leur première solution, et que dans le second temps, s'ils voient qu'ils peuvent pas, bah ils prendraient un bateau. C'est ça que je comprends quand ils me parlent en fait. Bah, le truc c'est. Bah, déjà ils ont pas d'argent hormis
Oui, mais ça, c'est pas un souci. Moi, je veux savoir ce qu'ils veulent faire, en fait. Voilà. Dans un premier temps, et s'ils veulent vraiment s'installer ici, en fait, si c'est leur but premier. Bah, là, à l'heure actuelle, Colgrim a l'air d'être un petit peu dans le flou, puisque bah oui, ça fait que quelques, ça fait même pas un mois qu'il a perdu la langue et du coup qu'il a perdu tous ses pouvoirs de Vitner. Ça, c'est le gros gros problème pour lui. Est-ce que ouais, il sait pas s'il a moyen d'acheter peut-être une petite maison, un petit lopin de terre. Bah, d'éventuellement de... Je lui demande s'il a des compétences en quoi que ce soit. S'il a des compétences en forge, en tannage, je sais pas, en quoi que ce soit. Est-ce qu'il a des aptitudes en quoi que ce soit? Sculpter du bois. Sculpter, ça, il sait travailler le bois. D'accord. Il sait travailler le bois, d'ailleurs, t'as eu peut-être l'occasion de le voir en train de sculpter un bout de bois ou graver quelque chose sur un manche de hache ou un truc comme ça c'est. Mais du coup, je leur propose, du coup, dans un premier temps, si vous voulez bien, on va se trouver une auberge, hein. Et ensuite, si vous voulez, Colgrim 2, on peut aller se balader un peu dans la ville, et on essaye de trouver, je sais pas si à l'époque il y avait des menuisiers, mais il y avait des mecs qui travaillent le bois, quoi, qui font les... Et voir s'il y a quelqu'un qui cherche des gens pour travailler. On peut faire ça, si vous voulez. Le temps que ma sœur s'occupe de revendre tout le butin qu'on a récupéré la nuit dernière, et on peut aller faire un petit tour, hein, si vous voulez. Colgrim acquiesce et te fait signe comme quoi il te remercie et pareil, te remercie plusieurs fois de tout ce que tu as fait pour eux jusqu'à maintenant. Parce que bah, tu aurais très bien pu, une fois libéré, vous auriez très bien pu. Il n'y a pas besoin de nous remercier, on était tous dans la même situation. Et il n'y a pas que moi qui nous ai sortis de là. Colgrim, tu as aussi donné un coup de main pour nous sortir de cette situation très mal engagée. Donc ce n'est pas la peine de me remercier. Je vous dois autant de merci que vous. Il n'y a pas de souci. Très bien, écoute, vous allez pouvoir aller chercher donc l'auberge de la tête de troll. C'est un peu comme l'auberge que vous aviez vue à Jägersheim. Hein. On va pas non plus. Toutes les auberges sont un petit peu montées sur le même principe, une grande salle. Sauf que là, y a pas, c'est pas des salles qui se trouvent à l'étage, c'est une extension de l'auberge qui sert. Alors, il y a une espèce de dortoir avec. Alors il y a tout, hein. Il y a des paillasses au sol, il y a aussi des lits, mais il y a aussi la possibilité d'avoir une ou plusieurs chambres. C'est des chambres pour deux personnes à chaque fois. À Jägersheim, on avait combien de chambres? On en avait trois. Vous en aviez pris trois, je crois, ouais. Ben, on va faire pareil ici. On va reprendre trois chambres. Du coup, je rentre dans l'auberge, je vais voir l'aubergiste et je lui demande si, excusez-moi mon brave, est-ce que vous auriez trois chambres de libre, s'il vous plaît? Trois chambres de libre. Je vais bouger pas, je vais jeter un oeil. Et Très bien. parce que oui, bah oui, ils ne tiennent pas de registre. Tiens, tu vas lance-moi un dé de que j'appelle le dé des Nornes, le dé du destin, voir un peu. Si effectivement il y a ce qu'il faut ou pas, sachant que plus tu fais, si tu fais 1, enfin, plus tu fais moins. Mais c'est quoi que je lance comme dé? C'est j'ai dit à Aurélia de Ah, ok, lancer. d'accord. Vas-y, Non, vas-y, vas-y. si tu veux, vas-y, lance un Ah dé. non, parce que tu me demandais le SMD, mais je ne savais pas lequel. Non, mais vas-y, vas-y, fais-le, Aurélien, pas de souci, vas-y. Donc le dé des Nornes, hein, je rappelle, le dé du destin, plus tu te rapproches de 6, plus la réponse est positive, plus tu te rapproches de 1, D'accord, plus c'est un D6 en fait. c'est un Voilà, D6. c'est un D6. 2.
Le type revient et il te dit non, j'ai je sais pas combien vous êtes combien au total. On est 5. 5. Non, mais n'ayez pas peur, mon brave. Dites-moi ce que vous avez et on s'arrangera avec ce que vous avez. Ne vous inquiétez pas. Il me reste une chambre. Une chambre. Par contre, il y aurait assez de place. Il y aurait largement de la place pour loger les trois autres personnes dans le dortoir. Oui, bah très bien. Je vais prendre une chambre pour les deux personnes qui m'accompagnent, là. Je lui désigne l'homme et la petite fille. Ma sœur et l'autre, on prendra le dortoir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Du coup, il faut que je le règle en avance ou non? Oui, ça. Non, du coup, est-ce que Refna, tu m'as donné un peu d'argent ou tu as tout gardé? Parce que moi, j'avais plus rien. Certainement, oui. Ok, donc bah, du coup, si elle m'a donné un peu d'argent, bah, je règle. Je sais pas, je règle la première nuit, enfin, la journée, comment ça se passe? Bah, Je lui demande si le repas est compris avec la chambre, tout ça, ou. alors, non, c'est pas compris. C'est un petit truc en plus. Alors là. Là, tu lui as donné combien? Je te regarde Quoi? où on... Bah, Là, je te... 500 pièces d'argent. Bon, on avait un paquet, donc. Ah, tu lui as donné 500 pièces Ouais. d'argent. Ok. Bon, on avait combien? 800. Bah oui. D'accord, t'as gardé 300? Et tu m'as donné 500, d'accord, ok. Donc, tu as beaucoup d'argent. Puisque, en Ouais, fait... après j'essaye de pas le montrer non plus, hein. Oui, j'avais... Puisque une place dans le dortoir, c'est une pièce d'argent la nuit. Et la chambre par contre, c'est 5 pièces d'argent la nuit. Ok. Et si je prends le supplément pour qu'on ait les repas et tout, pour les 5 personnes toujours, hein, pour toujours les 5 personnes. Ça te coûte 3 pièces d'argent supplémentaires pour les 5. D'accord, donc ça fait 9 pièces d'argent par jour, c'est ça? Ouais, J'ai et bien compté. si tu veux un bain en plus, faut compter c'est 10 pièces d'argent pour. Si je veux quoi, pardon? Que le Refna me soufflait que après elle aimerait bien prendre un bain aussi. Ah d'accord, il faut un supplément pour ça aussi. Ah bah oui, ils font chauffer de l'eau et tout ça, D'accord. c'est un service supplémentaire. Bah très bien, très bien. Bah, je lui donne 10 pièces d'argent. Alors comme ça au moins c'est réglé pour aujourd'hui. Ouais, c'est histoire qu'on fasse tous les calculs au même moment, comme ça on est réglé après. L'ardoise est faite. Ah, du coup, bah, je lui règle les 10 pièces d'argent et je dis à Colgrim et à. Mais ils deux d'aller s'installer, de poser leurs affaires dans leur chambre, et puis voilà. Enfin, qu'on reparte pour aller se balader un peu. D'accord, pas de souci. On va passer juste vite fait pour Refna. Tu voulais aller te débarrasser de tout ce que tu avais trouvé. Donc, vas-y, dis-moi un peu tout ce que tu avais. Tu veux Un revendre? cheval de monte plutôt, Alors, tu disais. le cheval de monte. Par contre, fais gaffe, Refna, sur le cheval, est-ce qu'il n'y a pas les armoiries du clan aussi? Fais attention. Ouais, Non, merci, j'avais enlevé. il n'y a rien de qui J'ai identifie. enlevé tout ce qui pouvait être compromettant. Et du coup, juste pour te dire, je fais un peu le tour des différents étals. Je me renseigne, est-ce qu'il y a un marché aux bestiaux? Est-ce qu'il y a un forgeron? Enfin, tu vois, je vais pas à la première échoppe ouverte. Voilà, je fais le tour, je me D'accord. renseigne un petit peu. Et une fois que j'ai fait le tour, que je vois voilà, la personne qui sera la Bah plus à même écoute, d'acheter les choses à leur juste valeur. tu as de quoi noter. Alors, le cheval, on te le reprend pour 60 pièces d'argent. Ensuite, tu avais dit que tu avais. Alors, 4 poignards. On n'a pas perdu de matériel, il n'y a rien qui a été cassé. Zvea, elle a besoin de rien. Non, Zéa, elle a tout ce qu'il lui D'accord. faut. Alors, pour les Et poignards, les amis de Runa, ils n'ont pas besoin d'armes non plus. bah, il avait Colgrim, il avait juste récupéré une épée, c'est tout.
Maintenant, si tu me dis que tu l'as peut-être proposé des trucs parmi ce que tu avais. Parce que genre un poignard, ça peut toujours servir, tu vois, ça fait tout un poignard. Bah, alors dans ce cas-là, les poignards, il en a peut-être pris deux, un pour lui et un Voilà. pour Hilde. Voilà. Donc les poignards qui te restent. Deux. Donc ça te rapporte deux pièces d'argent. Or. Ensuite, il y avait quatre armures de cuir, taille M. J'aurais dû prévoir le truc à C'est l'avance. pas grave, t'inquiète. Alors les armures de cuir, t'arrives à les refourguer à 9 pièces d'argent l'armure. Ensuite, nous avions trois épées. Pareil, est-ce que Colgrim en a repris une? Non, lui, il en avait déjà récupéré une. D'accord. Elle est en bon état, on fait pas d'échange ou c'est bon? Non, D'accord. c'était vraiment équivalent. Donc c'est, par contre, c'était de l'épée, c'était pas d'épée courte, hein, c'était de la bonne épée, hein, t'as récupéré là. Tu réussis à en tirer 12 pièces par épée. Une hache. Alors, une hache, une hache, une hache. 7. Et du coup, il y avait des bracelets d'argent et des bracelets de cuivre. Ça, je pense qu'on va peut-être les garder au cas où on n'ait plus de ressources pour, tu sais, les débiter et changer Ouais, ou par, faire troquer tout ça voilà, avec, ouais. par comme Léon. D'accord? Voilà. Et une fois que j'ai terminé Des achats ces et ventes, petites ouais. ventes, du coup, je faire un petit peu le tour, voir où situe la maison longue. D'accord. Poser quelques questions aux gens pour savoir un peu comment il est le Jarl. Ici, voilà, en disant je viens d'arriver. Ma D'accord. petite charrette. Très bien. Alors, je vais t'indiquer quelques petits trucs histoire de prendre ton token. Donc, l'auberge se situe là. La maison du Jarl, la maison longue, en fait, contrairement à Jägersheim où c'était vraiment la maison longue traditionnelle, là, la maison longue, en fait, on t'indique un bâtiment qui a été construit en pierre. Tout en pierre. Alors qu'il y a quand même des gravures et tout ça qui font très Terre des Tempêtes, mais c'est un bâtiment en pierre. Souvent, dans ces cas-là, c'est d'anciens bâtiments qui sont là depuis des siècles et qui ont été réaménagés pour en faire pour essayer de les adapter un petit peu plus à Fonctionnalité, voilà. d'accord. Donc ici là, bon là il y a toute la baie. Tu as pu faire tes achats ici là. Il y a une espèce de. En fait, tout autour de cette place-là, c'est là où se trouve pas mal de commerces et de marchands. Je t'avais dit, hein, ça menait au niveau de l'auberge. Ici là. Pas le temps de faire tout ça là. Ben ça, c'est en fait, si tu as posé ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des D'accord. bâtiments qui dépassent un peu plus des autres. Si tu as posé les questions, tu sais que ici, là, en fait, c'est le temple de Stormy, avec pas très loin, ici, se trouve le cercle des poteaux de sacrifice. Pas très loin de l'église, enfin de l'église du temple, je veux dire. Et sinon, qu'est-ce que tu as pu voir? Bon, il y a pas mal de bateaux qui sont, de bateaux de pêcheurs qui sont amarrés. Je pense que pour l'instant, tu n'en as pas vu beaucoup plus que ça. Et au niveau du jarl, a priori, c'est un vieux jarl qui doit. On dit qu'il a au moins 60 ans. D'autres qui disent qu'il a plus de 70 ans, donc les gens ne sont pas très très. Et Ouais, on n'est que pas un hiver près. voilà, et que c'est un
Alors c'est un Jarl qui est juste, mais qui, voilà, faut pas non plus le pousser trop dans ses retranchements, parce que c'est comme un vieux loup, tu le pousses dans ses retranchements, il peut devenir très très dangereux. Par contre, il administre donc Storhaven depuis déjà plusieurs décennies. Il y a des gens qui ont déjà essayé de prendre sa place, il les a écrasés. Et clairement, il les a écrasés. Et surtout, c'est que depuis qu'il gère Storhaven, à chaque fois qu'il y a eu des réunions des Jarls, ça s'est toujours très bien passé. Alors que dans le passé, il y a eu des moments où les Jarls se sont réunis et les discussions ont dégénéré. Il y a même déjà eu, lors de l'assemblée des Jarls, il y a déjà eu des morts. Lui, sous son autorité, ça rigole pas. D'accord. Ça rigole pas. C'est très au sérieux, c'est très encadré. D'ailleurs, ce que tu apprends aussi, c'est que les lois à Storhaven sont respectées vraiment à la lettre. Et qu'en plus de ça, le Jarl a pour garde personnelle une dizaine de guerriers de berserkers. Souvent, les Jarls ont deux ou trois berserkers dans leur garde et après des guerriers normaux. Lui, il. Voilà. Et tous ces berserkers-là ont des postes importants dans la cité. Il y en a deux qui vont diriger la milice, entre guillemets. Il y en a un autre qui est plus ou moins le capitaine si jamais il devait lever une petite armée. Il y en a un qui est le capitaine. Il y a aussi un des berserkers qui s'occupe plus des liens avec avec les bateaux. Donc voilà. Et pour l'instant, ça fonctionne, ça tourne bien. Et il aurait un fils. Il aurait un fils qui serait bon à marier d'ailleurs. D'accord. Et j'ai un doute sur son nom, je ne veux pas dire de bêtises. Son fils s'appelle Soch. Soch, je Et sais pas lui quoi. s'appelle comment? Et le Jarl s'appelle Octar. Ben, une fois que j'ai apprécié quelques petites choses, je retourne à l'auberge avec la charrette. Et puis, Les chevaux vois si... sont pris en charge contre quelques pièces, contre deux pièces d'argent. On Très te bien. stocke la charrette, on prend les chevaux, on s'occupe des chevaux et tout. Alors toi, Runa, t'as voulu aller faire un tour à l'extérieur aussi avec Colgrim et Hilde. Est-ce que toi tu voulais, ah oui, tu voulais aller voir un peu des ébénistes, menuisiers et tout ça. Ouais, c'est ça, Alors, vous allez en trouver. doit y avoir pas mal de charpentiers aussi quand même. Bah, oui, Entre les bateaux, c'est ce que les j'allais dire. maisons Justement, c'est là où. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, oui, il doit y avoir un chantier naval, un truc comme ça. J'allais y venir, c'est que en plus il y a À faire vous là. au niveau du bord de mer d'ailleurs, vous vous rendez compte que il y a un endroit, il y a deux bateaux. Donc je vais dire les drakkars, mais drakkar ça n'a jamais été le vrai mot. Normalement on appelle ça des knorr ou des snekjar. Mais je vais rester sur le mot drakkar, hein, ce sera plus simple. Et donc, en plus, Drakkar, c'est le mot viking, là, on est à trop de vent, donc on peut dire qu'on peut appeler les bateaux des Drakkar, il n'y a pas de problème. Donc il y a deux Drakkar qui sont en construction à cet endroit-là. Et notamment, donc il y a pas mal, comme je disais, hein, des ébénistes et tout ça. Il y a aussi des endroits où il y a pas mal de stocks de bois. Et tu cherches quel type d'artisan, hein, quelque chose de.
Ben en fait, tout en marchant et en essayant de chercher, ben je discute un peu en même temps avec Colgrim et Hilde pour voir vraiment ce qu'ils recherchent, quoi. À y être, qu'on trouve un truc qu'il aime bien faire, quoi. Donc je me repose sur eux, parce que moi je suis pas du tout. Alors, Colgrim te fait comprendre par geste, hein, naturellement, que lui, bah, il te montre, hein, tout ce qui est, maison et tout ça. Ça, il n'a pas les connaissances pour ça. En fait, lui, il fait plus de. Des meubles ou des trucs comme ça? Non, en fait, il fait plus il sculpte du bois, mais il fait des trucs vraiment très minutieux. C'est un Très, artiste? très précis. En fait, ouais, c'est peut-être plus, il y a peut-être plus du côté artiste que artisan. Ah ouais, mais ça va pas le faire, quoi, parce que je pense pas qu'on va trouver quelque chose dans ce style-là. Bah, Alors, sinon, il y a peut-être des à mon avis, dans le coin, il doit y avoir tailleurs que des de bosseurs, quoi. bois Il n'y a pas d'artiste. la Alors ouais, vaisselle ou des ça c'est choses ce que comme j'allais ça. dire, et j'ai pas trop mis l'accent dessus jusqu'à maintenant, mais il faut quand même s'imaginer que tout, que le dans la Terre des Tempêtes, au niveau de l'architecture et même des objets usuels, on aime bien quand c'est sculpté, gravé, décoré. C'est-à-dire que même une simple maison de pêcheur, il peut avoir le pourtour de sa porte qui est sculpté et gravé. Dans la maison, vous pouvez avoir des objets qui en bois sont sculptés aussi. Le Donc, manche des couverts, les des manches choses des comme ça. couverts, la manche de poignard, un manche de hache aussi. Et plus la maison est grande, plus la maison est riche, plus la maison va être décorée, mais avec des gravures de plus en plus fines, de plus en plus précises, voilà, Recherché, tout ça. recherchées exactement. Donc voilà, lui, avec le talent qu'il a, il pourrait te Donc, trouver. c'est quoi? C'est gravure sur bois qui cherche un truc comme ça, quoi. Oui. Et d'ailleurs, à un moment donné, lorsque vous passez à côté des chantiers, du chantier naval, on va dire, tu vois qu'il regarde un des bateaux qui est en cours de construction. Et il s'approche du bateau, il pose sa main dessus. Et tu vois, en fait, il y a toute la tête de proue du bateau qui est encore assez brute, qui n'est pas énormément travaillée. Mais tu vois que voilà, il passe sa main dessus, sur le bois. D'accord, bah, du coup, comme il m'a expliqué ce qu'il aimait faire, je comprends tout de suite que voilà, lui il aimerait travailler ce morceau de bois-là. Est-ce que je vois quelqu'un à proximité du bateau, sur le bateau ou à proximité, qui a l'air de faire partie des mecs qui construisent le bateau, j'imagine? Oui, tu repères, il y a un type qui est un peu en train de donner des ordres. D'ailleurs, c'est la fin de la journée, donc tu vois que les types sont en train de commencer à ranger un peu leurs outils, se préparer un petit peu à quitter le chantier. Et donc le type, en fait, il a deux grandes tresses dans sa barbe. Et il a ses cheveux attachés avec une longue tresse qui lui descend dans le dos. Il a au moins une quarantaine d'années, presque 50, tu penses, vu les traits burinés. Et ses cheveux sont plus gris que blonds. Ok. Et du coup, je me rapproche de lui, puisque il a l'air de diriger. Et je lui dis, bonsoir, mon brave, est-ce que je peux vous déranger 2 minutes? Oui, ma petite, vas-y. Par contre, t'as vraiment 2 minutes parce que là, Oui, juste 2 minutes, en fait. J'ai mon ami là, je le montre du doigt, à Colgrim, qui vient d'arriver en ville, et il cherche du travail. Et apparemment, d'après ce qu'il m'a expliqué, sa spécialité, c'est sculpter le bois. Et là, quand il a vu votre bateau, il se dit qu'il a peut-être du travail à faire dessus. Donc, est-ce que vous cherchez ce genre d'artisan ou pas? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en chercherait? Bah écoute,
On a déjà quelqu'un, il te montre le second navire qui est en cours de construction, qui lui a déjà sa tête de proue qui a été sculptée, décorée. Mon ami a l'air vraiment très très doué. Oui, et bah écoute, il se tourne vers Colgrim. Il dit bon, t'as c'est bien beau ça de dire que tu sais sculpter, mais t'as quelque chose t'as quelque chose que t'as fait. Et Colgrim sort juste un morceau de bois qu'il a sculpté. Il lui tend. Bon, le type regarde. Il n'a pas l'air d'être plus impressionné que ça. Il dit bah écoute, moi j'ai déjà quelqu'un qui travaille là-dessus, donc je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit ici que tu vas te trouver du travail, quoi. Et puis tu sais, il s'adresse tout le temps à Colgrim, parce que toi tu lui as pas dit qu'il était muet. Et Colgrim lui fait signe de tête, et puis au bout d'un moment le type il dit non mais il se tourne vers toi, il dit mais qu'est-ce qui se passe là? Alors j'essaye de, je me tourne, tu vois, pour pas que Colgrim me voie, et je lui dis doucement au mec, je lui dis, il peut plus parler, il a plus de langue. On lui a arraché la langue. D'accord. Et ça va être un peu compliqué. Compliqué de quoi? Écoute, moi j'ai pas là comme ça, a priori j'ai pas spécialement besoin de quelqu'un, j'ai déjà un sculpteur, donc D'accord, ok, mais est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui en aurait besoin? Vous êtes d'ici, visiblement, vous êtes du coin. Nous, on vient d'arriver, donc est-ce que vous savez où c'est qu'on pourrait se diriger pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait l'intéresser? Ouais, je sais pas. Est-ce que fais-moi un petit test de. Fais-moi un test avec ton charisme. Histoire de voir si. Voilà. T'as été assez convaincante avec lui. Est-ce que. La façon dont. Voilà, c'est juste voir un peu comment il est. Dans quel état d'esprit il est par rapport à. Par rapport à tout ça. J'avais fait un truc, il marche pas. Vous avez fait un raccourci? Ouais, j'avais fait un raccourci, mais il marche plus, on dirait. Parce que moi j'ai rien qui. J'ai pas de résultat qui apparaît. Bah sinon vas-y, refais. Refais-le, tant pis. Déjà, on est sur une base de 9 et avec ton charisme, ça fait du. Plus zéro. D'accord. Ouais, il dit, écoute, je sais pas, va voir plutôt dans ce coin-là, il te montre un petit peu plus loin, quelques échoppes. Je sais qu'il y a quelques types qui sculptent le bois là-bas. On va voir, peut-être que ça les intéressera, eux. D'accord. Ben, en tout cas, merci, merci d'avoir pris le temps de me répondre et je vous souhaite une bonne fin de journée, mon brave. Bon, et puis bah, si tu vas jeter un œil dans ce coin-là, alors on va pas jouer tous les trucs, mais en gros, vous allez trouver un type qui sculpte, qui effectivement sculpte des meubles, enfin, qui fabrique des meubles, et qui apparemment les sculpte un petit peu, mais voilà, c'est pas aussi précis que ce que fait Colgrim. Est-ce que Colgrim a l'air intéressé ou il fait la moue ou comment il est Colgrim? Non, 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 en fait, il bronche pas. Il bronche pas. Alors, le truc, c'est que
Le fait de plus avoir sa langue, déjà, c'est Oui. pour communiquer, c'est un peu compliqué. Mais voilà, et t'avais bien compris que lui, il lui fallait du boulot parce que comme ils n'ont plus rien pour recommencer à zéro, c'est un peu compliqué. Et le espèce de l'ébéniste, il accepte de prendre Colgrim pendant quelques jours histoire de voir un petit peu ce dont est capable Colgrim. D'accord. En fait, il lui montre un lit en bois qu'il est en train de fabriquer. Et voilà, il lui dit de. Il le laissera sculpter la tête de lit. Histoire de voir un peu ce que ça peut donner. D'accord. Du coup, demain matin, quoi, il reviendra. Il reviendra demain matin. Il demande à Colgrim combien de temps. Parce que bon, je suppose que tu t'as expliqué qu'il ne parlait plus. Donc il a demandé un peu à Colgrim combien de temps il pensait mettre à sculpter tout ça. Colgrim lui a indiqué qu'il lui faudrait 3 jours de travail. Et Ouais. donc Et voilà. ça lui a semblé bien à l'ébéniste là ou il a réagi comment quand il a dit ça? Non, non, il a rien dit de. Il a rien dit de spécial, ok. Et par contre, il a bien fait comprendre à Colgrim que là, c'est. En fait, c'est un peu un test qu'il fait avec lui. Mais que au bout de ses. Il ne peut pas le payer pour ces 3 jours. Par contre, s'il est impressionné par ce qu'il fait, il l'embauchera. D'accord, ben on est d'accord. Donc par contre, ça veut dire que pendant 3 jours, éventuellement s'il est embauché après, mais pendant 3 jours, ils n'ont pas d'argent. C'est pas un problème, ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je m'en occupe tant qu'il a pas de revenus, c'est moi qui m'en occupe. Donc j'espère que ça marchera. J'espère que vous serez satisfait de son travail. Bien, rendez-vous demain et on verra ça. Très bien. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. Mais bonne fin de journée à vous. Bon, je suppose que vous retournez à l'auberge de la tête de Et l'étranger. pendant qu'on revient, je discute un peu avec eux et du coup parce que comme le Grim il va travailler demain, je dis si tu veux je prendrai Hilde avec moi, je la garderai, je m'en occuperai si tu veux. Ouais, il acquiesce. D'accord. Voilà, ben après, ouais. Après, on rentre à l'auberge, on va rejoindre Refna et Svea. D'accord. Véa, vous la retrouvez, elle a commencé à manger. Refna, toi, quand tu reviens, bon, t'es moins chargé, mais t'as la bourse un peu plus lourde qu'avant. Vous vous retrouvez tous dans la salle de l'auberge. Parce que, bon, Ouna t'explique que vous avez pris une chambre et qu'il n'y avait plus de. Je lui explique qu'on a pris les chambres, je lui explique qu'on a trouvé quelque chose pour Colgrim, que demain il commence à son essai, tout ça, enfin je lui explique tout quoi. Moi, je vous dis que j'en ai récupéré 139 pièces d'argent. Bah, c'est bien. Ouais. Donc, on se répartit pour éviter de. Parti pour éviter quoi? Bah, que si jamais l'une de nous se fasse détrousser, qu'elle perde tout, quoi. D'ailleurs, tu voudrais pas qu'on le partage à l'amiable, tout comme il faut, ou non, on reste comme ça? Bah, si, si, oui. Que moi, il me reste 490. Parce que j'ai payé la journée d'aujourd'hui. Ça va nous coûter 10 pièces d'argent par jour. L'auberge. Pour nous cinq. Avec les repas compris. Et si jamais on veut prendre des bains, on peut aussi. Voilà. Bah, moi, il me restait les 300 pièces d'argent. Sur eux et c'était 1000.
000, c'est ça qu'il nous restait d'argent. Il te restait 300 plus que tout ce que tu as même vu là cet après-midi. D'où est-ce que ça vient ces 1000 pièces d'or? Ah non, c'est pour dire une d'or qui vaut. Ah oui. Donc, oui. Non. Donc toi tu as 400. Ça fait 400. Voilà, c'est ce qu'on avait récupéré sur eux. Et... Ah voilà, vous partagez. Combien t'as du coup? 439. 439, moi j'ai 490. Je t'enfile 30. Puis voilà. Comme ça, t'as 469 et moi j'ai 460. Et par contre, la corne, c'est toi qui l'as? Ou c'est moi qui l'ai gardée? Alors, dans mon souvenir, le problème, c'est que quand Runa, tu l'as touché, la corne, comme tu étais extrêmement sensible, ah oui. Ça t'avait brûlé. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc, exact. C'est vrai, ouais. Et ouais. Je vous dis juste que... je pense que ce soir, on va se reposer, récupérer du voyage. Et je vous informe de ce que j'ai appris sur le Jarl. Ouais. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui vous écoutera et qui est éclairé, voilà, réfléchi. Après, je ne peux pas présager de sa décision, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il nous écoutera, surtout avec le document signé de ce que je proposerais, si vous êtes d'accord, c'est que voilà, on se repose et que demain on se fasse présentable, qu'on soit à notre. Par contre, oui, je te dis aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais comme Colgrim va travailler demain, je vais m'occuper de Hilde, oui, pas la laisser toute seule. Nous accompagner, il y a pas de... Voilà. Pas de souci. Par contre, j'ai pensé à un truc, on n'a pas de gros manteau. Si, on en a ou on en a pas? Bah c'est vrai que là vous comment enfin c'est. Ouais, ça commence à être juste. Avec... J'ai vu qu'on commençait à faire froid, je me demandais si demain on n'irait pas aussi s'acheter des gros manteaux quoi. Oui, oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, ce que vous avez pu remarquer, c'est que il y a quelques personnes qui en parlent, hein, du fait que la température est vraiment baissée là en ce moment. C'est... Ouais. Voilà, les gens s'interrogent. Ok. Donc oui, ça c'est vous. Bah, du pourrez... coup, si ça vous va pour demain. Bah, concrètement, tu veux faire quoi demain, Raphina? Bah, tu veux... Comprenne... Parce que là, on est peut-être un peu fatigué et voilà, voyage, qu'on prenne un bain, qu'on se rende présentable pour, en marque de respect pour le Jarl et que on demande une audience. Alors, soit on l'aura dans la journée ou dans les jours qui viennent. Pour, avec le document signé d'Ymir, aller lui expliquer la situation et savoir ce qu'il compte faire. Dis pas qu'on a le mot, oui. Mais on a aussi les deux bracelets que Ymir nous a donné. Oui. Oui, elle avait donné de quoi vous identifier. Oui. Non, parce que ça pourrait peut-être accélérer, c'est le fait qu'on ait une audience royale, quoi, tu vois. C'est si on vient juste comme ça, et, tu vois, peut-être que... Bien sûr. Donc ça vous va pour demain? Non. SVA, de toute façon, elle, jusqu'à maintenant, elle a toujours... Elle vous a toujours fait confiance quand vous... C'est, au final, c'est elle. Ou à la limite, parce que j'ai pas envie que Hilde. Est-ce qu'on prend peut-être à ça peut-être demander à Svea de garder Hilde. Comme ça, on irait que toutes les deux. Peut-être. Hein. Oui, pourquoi pas. Si Hilde, elle est d'accord. Parce que c'est vrai que Hilde, Svea, je sais pas.
Je sais pas leur rapport au final, je sais pas comment ça marche. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, selon toi, comment ça s'est le rapport entre les deux, ça s'est passé comment jusqu'à maintenant, dans Ben, ton... je sais pas, moi j'avais dans l'idée que Svea c'était pas vraiment une mère poule. Donc c'est pour ça que j'avais pas proposé l'idée à la base. Mais peut-être que ça y ferait du bien, quoi. De garder la petite. Elle verrait que c'est pas si mal que ça, quoi. En même temps, elle n'est pas si petite que ça non plus. Elle a quel âge? Il deux? Bah si, elle est petite, non? Elle est pas vieille, hein. Elle a 8-9 ans, c'est tout. Ouais, non, mais à cette époque-là, Oui, c'est sûr qu'à cette époque-là, c'était pas comme maintenant, mais... Et du coup, je leur... plein de ben, en fait, filles. je leur pose la question à toutes les deux. Est-ce que ça vous dérange, SBA? Est-ce que ça te dérange de garder Hilde demain? Et Hilde, est-ce que ça te dérange de rester avec SBA? Regardez, Hilde, elle regarde, elle jette un œil vers Svea et puis elle lève les épaules en dire bah, je sais pas. Et puis le Svea qui elle est en train de manger un truc, quand tu dis ça, elle s'arrête dans son mouvement. Elle te regarde par-dessus sa cuisse de poulet qu'elle était en train de manger. Et elle te dit toute la journée? Sérieusement? Bah, vous pouvez aller pêcher par exemple. Là, elle laisse tomber son truc de poulet dans son assiette. Là, j'ai pas envie d'aller pêcher. Bah, si tu préfères, emmène la chasser, c'est histoire de ramener un peu de quoi manger à l'auberge. Mais la chasseuse, c'est pas moi. Bah, écoute, si tu préfères aller expliquer au Yal pourquoi est-ce qu'il faut rassembler ses armées pour combattre la Dame de Givre, je t'en prie, Zéa, vas-y. Bah, j'en sais rien. Bah, ou alors vous irez acheter des manteaux et des capes et de la fourrure. Ben voilà, oui, Voilà. exactement. Exactement, Svea. Tu pourrais aller avec la petite nous acheter des manteaux pour... Parce que vu que ça commence à faire froid, au moins, on pourra se... Quand on repartira d'ici, on aura des manteaux pour se couvrir. Ça, c'est une bonne idée. Merci, Rachna. Voilà, tu peux aller faire ça avec la petite demain. C'est bien. Ça va nous prendre au moins 1 heure. Tu veux qu'on te fasse un emploi du temps pour toute la journée? On va pas non plus nous en avoir Ben, de pour toute toute la façon... journée de toute façon. Nous, on va Si prendre on rendez-vous arrive, avec le on va voilà. prendre rendez-vous avec le Jarl déjà. Voilà, Parce exactement. On va lui que demander en après, on mariage. sera là. Hein. Ça se trouve, on l'aura dans 2 jours. Donc nous, on Tu dîne vas pas ensemble rester avant toute lui. la journée avec la petite, hein, on sera là. Hein. Et puis je lui mets une grande tape sur l'épaule. Je dis, t'es moins pire que trois abjas, hein? Ouais, sauf que moi, avec les Abjas, je sais comment les. Je sais ce que je dois faire. Ah, oh, mais Mais tu crois que nous on sait ce qu'on doit faire, Zéa? On ne sait pas non plus, on est comme toi, hein, tu sais. comme ta mère, elle l'a fait avec toi quand t'étais petite. Voilà. Ou ta sœur, ta tante. Oui, d'accord. J'ai compris. J'ai compris, on va y réfléchir. Merci. T'as besoin de réfléchir, sérieusement, Zéa? Écoute, Tu crois que nous, qu'on a réfléchi pour qu'on aille prendre rendez-vous avec le Jarl et tout ça? On réfléchit pas, nous, il faut qu'on fasse les choses. Hein. Donc à toi de nous aider un peu, quoi. On te demande pas grand-chose. Hein. j'ai grandi dans une famille avec 5 frères. D'accord. Vous savez très bien que ma mère n'était pas. Ma mère était une guerrière aussi. Donc, si tu veux, je sais, moi, depuis toute petite, je me suis occupé avec mes frères. On se battait, on se tapait Et dessus, bah voilà. apprends-lui à lancer la hache, ça lui sera toujours utile. Regarde avec ce qui lui est arrivé, elle Bah sera peut-être oui. bien contente de connaître une ou Tu peux lui apprendre à se défendre. deux parades. Bah voilà, apprends-lui à frapper là où ça fait mal, par exemple. Ça sert toujours dans la vie. Un D'accord, bon coup d'accord. bien placé, hein? Et vous voyez la pauvre Hilde qui est à côté, qui entend que Zéa
vous proposiez à Svea de lui apprendre à se battre. Et ils deux a l'air de faire une tête à mi-chemin entre ouais, ça c'est super apprendre à se battre et tout ça, et d'un autre côté, le un peu flippé. Oui, mais c'est avec Oui, ça, c'est ça. Svea. Je vais apprendre à mettre avec Voilà. Svea. Du coup, je m'agenouille devant Hilde et je la prends comme ça dans mes bras et je lui dis, ne t'inquiète pas. Svea, c'est un bon professeur. Elle sera meilleure que moi ou que Refna pour t'apprendre à te défendre. Tu Donc n'aie penses pas que peur. elle a une petite moue quand même? Et Colgrim, vu quand même, acquiesce, approuve d'un signe de tête. Et... Mais j'imagine que lui déjà il a dû pardon, il a dû lui apprendre des trucs déjà. Oui, mais voilà, c'est il acquiesce et il fait signe en fait que Svea est. Que, en gros, il essaie de faire comprendre à Hilde que si elle s'entraîne, tout ça, peut-être qu'un jour elle deviendra grande et forte comme Svea, qui n'a pas l'air d'être spécialement au goût de Hilde, mais bon. Et puis bon, du coup, la fin du repas se fait. Colgrim et Hilde vont se coucher. Svea se lève et se lève de table. Elle prend sa chopine et elle vous dit que si vous allez vous coucher, elle va aller discuter un petit peu. Et vous voyez qu'elle s'éloigne et qu'elle est en train de. Elle se dirige vers un groupe de mecs qui depuis tout à l'heure, le ton commence à monter un petit peu dans le genre à se lancer des défis à la con. De lancer de couteau sur ou de lancer de hache sur un bouclier au mur, ce genre de truc. Et voilà, vous voyez qu'elle se dirige vers eux là-bas. Bah, du coup, moi, je vais aller me préparer à me coucher. Est-ce que dans ce dortoir, il y aurait par hasard, alors, soit un foyer central ou des petits braseros pour se chauffer? Alors, dans Vu la température, à mon avis. Il y a une cheminée. Très bien. Bah, qu'il y a d'autres personnes dans le dortoir ou pas encore? Oh, il y a déjà presque une dizaine de personnes qui sont là. Il y en a même déjà qui dorment. Ça ronfle assez bruyamment. Alors après, et forcément, comme c'est dans un dortoir, ça sent pas non plus Ah bah oui, ça sent pas forcément. non plus la fleur de printemps. Ça c'est clair. Techniquement, en fait, je voudrais brûler les deux boucliers Ouais. qu'on a récupérés. Est-ce qu'il y a des parties métalliques dessus? Oui. Oui. Beaucoup ou juste quelques clous? En fait, c'est principalement des clous et la poignée et la coque qui se trouve au-dessus, la coque au Faut que niveau de la j'essaie de main, plier. le hombo qui est en métal. On aurait mieux fait de les laisser sur la. Le reste, c'est en bois et en bois et en cuir. Après ça peut quelqu'un qui travaille le bois peut le décaper et le Ah bah, Colgrim, il pourra faire ça. Colgrim pourrait, avec les outils, il pourrait, oui. Pour l'instant, du coup, je les laisse dans la charrette. J'ai fini de réfléchir à tout ça. Voilà. Donc, je vais me coucher et je vais fermer les yeux, repenser à la présence du wargue noir, là, Ilgarmana. Qui était venu et qui était vraiment pas loin de moi, avec qui j'ai eu ce contact un peu étrange et surnaturel. Et voilà, après je laisse vers le sommeil. D'accord. Runa, tu fais quelque chose de particulier, toi? Alors moi, oui, quand on se dirige toutes les deux dans le dortoir, je demande à Refna de me repasser la corne pour voir. Pour voir si ça me fait toujours de l'effet ou pas.
je te l'attends. Alors, c'est un petit peu désagréable au toucher, mais c'est plus brûlant comme ça te fait plus mal aux doigts comme ça a pu te le faire la veille. D'accord. Mais du coup, comme je suis un joueur, bah, je vais essayer de lire ce qu'il y a dessus. D'accord. Fais ça avec avec le ton sort de lire l'indéchiffrable. Alors, Alors, 7 plus 2, 9. t'as toujours le malus, c'est un sort ou pas? Ah non, 7 plus 1 du coup, parce que j'ai un malus. 8 ça fait donc. Donc c'est Désolé, un. hein. C'est toujours. Ça reste un succès mitigé. Et sur un succès mitigé. Ah non, 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 c'est 9, c'est bien 9. Mais j'ai pas le lien. Il marche pas le lien avec ma sœur? Pour les bonus? Non? Bon, ben 8 alors. Alors, j'ai pas remis le truc pour lancer les sorts. Donc du coup, c'est un succès mitigé. Donc l'effet, c'est ouais, tu vas réussir, mais soit ça va durer moins longtemps, soit ça va avoir un petit effet indésirable, ou ça va pas être totalement entièrement efficace. Toi de. Si j'ai l'effet indésirable, je pourrais traduire. Oui, c'est juste que ça. Ben, du coup, je prends ça. Je vais traduire le truc, mais j'aurai un effet indésirable. D'accord. Est-ce que tu as une idée de. T'as une idée de l'effet indésirable que ça pourrait être ou. Vas-y, fais-toi plaisir. D'accord. D'accord. Eh bien, lorsque tu commences à lire les symboles, tu te rends compte que c'est. Tu penses que grâce à cette corne-là, tu souffles dedans, tu peux en appeler à une volée de corbeaux qui va qui peut faire plusieurs choses. Toi qui va te protéger, toi qui peut éventuellement attaquer, ou alors en tout cas obéir à un ordre simple que tu peux leur donner. Et a priori ça fonctionne, c'est assez limité dans le temps. C'est du genre le truc va fonctionner, va peut-être fonctionner 1 minute ou 2, mais pas plus. Ça, c'est ce que tu arrives à déchiffrer de cette corps. Donc ça, c'est vous pouvez. On pourrait l'appeler le corps du corbeau, un truc comme ça. Ça vous va, ou si vous avez une autre idée, moi je suis preneur. Oui. Non, non, le corps du corbeau, c'est très bien. Du coup, je me retourne vers Afna pour voir si elle dort ou si elle est toujours réveillée. Alors justement, le petit effet indésirable, Ouais. c'est que tu t'as fait ça, t'as touché, t'as lancé ton sort. T'as lancé ton sort, t'as commencé à lire ça sur le corps. Et le truc, c'est que quand tu as manipulé du Vitner, et que tu as un objet qui est bourré de Vitner dans les mains, ton Vitner et l'objet, en tout cas le Vitner de l'objet et ton Vitner sont rentrés en résonance. Et le corps se met à faire du bruit, comme si on commençait à souffler légèrement dedans. Donc il y a un bruit qui commence à s'élever tout. Au début, c'est tout faible.
et puis ça s'élève de plus en plus. J'essaye de mettre ma main devant pour arrêter que ça souffle. D'accord. Du coup, peut-être que Refna, je ne sais pas si tu étais endormie ou pas, mais... Alors, ça dépend combien de temps ça a duré. Alors, le temps qu'elle déchiffre. Ah, ça a été quasiment instantané. Bah Ça a été non, sachant que... la minute qui a suivi, elle a décrypté tout ce qu'il y avait dessus. Donc, sachant que la dernière fois, ça lui avait brûlé les mains, en fait, j'étais là, presque pas, limite avec les mains en dessous pour récupérer le corps, si ça venait à lui brûler les mains, pour la soigner, ou lui mettre de l'eau sur les mains tout de suite. Enfin, voilà, j'étais prête. D'accord. Du coup, ouais, voilà, ça commence à faire du bruit, ça commence à souffler, à résonner de plus en plus. Au début, c'est juste un petit sifflement, puis après, ça grossit, grossit, grossit. Je regarde Runa, les yeux écarquillés, mais qu'est-ce que tu fabriques? Runa, toi, tu m'as dit que tu essayais de mettre ta main dedans pour essayer Ouais. de boucher le truc. Et en fait, malgré le fait de boucher avec ta main comme tu peux, du coup. Alors que dans le corps, normalement, ça sort pleinement. Quand tu mets ta main dedans, ça a tendance à sortir. Alors, ça sort moins fort, mais ça siffle plus. Et du coup, ça fait du bruit. Et vous entendez deux, trois voix qui commencent à s'élever dans le dortoir. Et il y a notamment une voix, une femme apparemment, qui se lève, qui jette sa couverture par terre. Pardon, Et. je bouscule Runa vers la pièce commune où on a mangé un peu plus avant. D'accord, parce que elle commence. En fait, la nana, elle commence à gueuler, Pardon, pardon, pardon. à dire, mais ça va pas de foutre de ça va pas d'emmerder les gens comme ça. Moi, j'essaie de dormir. Ben oui, évidemment. Je continue à pousser Runa vers la salle de repas dans laquelle on était. Ok. Et quand vous arrivez dans la salle du repas, la salle principale, la corde, en fait, tu sens que ça vibre, tu sens que ça fait du bruit, même si Runa t'a ta main dedans pour atténuer. Et le truc, en fait, c'est qu'il doit y avoir, vous vous retrouvez avec une quinzaine de personnes qui entendent cette espèce de sifflement à moitié étouffé de la corde, qui se tournent vers vous en vous regardant, du genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, vous avez complètement flingué le morceau de musique qu'une scalde était en train de jouer avec une lyre. Et vous vous retrouvez avec tout un tas de monde. Alors il y en a certains ils se demandent quoi. Il y en a d'autres qui certainement étaient en train d'écouter la scalde qui se tourne vers vous en vous jetant des regards noirs. J'ai un petit sourire complètement crispé. Désolée. Et la corde finit par s'arrêter toute seule. Oh. Oh, sur ce, Rona, si t'as rien d'autre à faire avec cette corde, moi je vais aller me coucher. Oh. Du coup, je voulais lui expliquer à quoi ça servait, mais là, du coup, avec ce qui s'est passé, bah, je me dis, tu vas aller me coucher aussi. Ok. Alors du coup, juste comme on est dans le dortoir, eh bien, je suppose toute attention à là où on met nos pièces d'argent Bah pour se prémunir des vols, etc. est-ce que tu penses qu'on les aurait confiés à Colgreen, vu qu'ils sont dans une chambre, eux? Est-ce qu'ils sont dans une chambre qui ferme à clé? Oui, Oui? oui. Ah bah oui, pourquoi pas. Après, moi, ce que j'ai, moi, je le garde. Voilà, peut-être que j'ai une poche intérieure ou quelque chose où, tu vois, je peux mettre. Non, t'as surtout sacoche et bourse, mais pas. Ça représente un sacré paquet de pièces, hein, quand Oui, même. bah, de toute façon, j'en dispatche, j'en mets dans. Pas enfin, un peu dans carquois, un peu dans mon sac, un peu, tu vois. Effectivement, quand tu sors ton argent, faut pas que tu sortes. Alors, sur À la. 400 pièces, ouais, ça représente un petit Vous avez la paquet. monnaie sur 500 Mais pièces effectivement, d'argent? Colgrim, lui. Comme il dort dans une pièce qui peut se fermer, il n'y a pas. Ouais, Si vous moi je me avez. méfie quand même parce que Colgrim, bon, là, elle a l'air de lui faire confiance et tout, et bon, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Ok, bon, écoute, Runa, si toi tu penses lui avoir confié
Oui, moi je lui ai filé ma partie à moi. Je lui ai filé qu'il la garde dans la chambre. D'accord. Bon. Vous allez vous coucher. La nuit passe sans problème. Quand tu vérifies le lendemain matin, Refna, ton argent est toujours là. Ah, ça va. J'ai pas l'habitude d'en avoir autant, alors. Et Colgrim est là aussi, il ne s'est pas enfui avec l'argent. Je Comme n'ai tu pas dit pourrais. ça. On aurait pu croire. Et donc Svea va s'occuper d'Hilde, que vous vouliez vous rendre à la maison longue. Après avoir pris un bain. Oui, ça j'avais bien compris. Après avoir pris un bain. Voilà, c'est pas du luxe. Ah bah oui, là tu m'étonnes. Pas le voyage. C'est pas du luxe. Bon, ça c'est autant pour aller voir le Jarl que pour nous-mêmes, tu vois. Très bien. Du coup, ça va être en milieu de matinée que vous allez vous présenter chez à la Maison Longue. Au petit matin, toujours ce froid assez intense. Vous avez entendu, hein, il y avait un peu d'activité. Hein, en fait, il y a tous les pêcheurs qui prennent leur bateau et qui partent à la pêche tôt le matin. Et les étals qui ont commencé à se réinstaller sur la petite place autour de l'auberge de la Tête de Troll. Et une fois alors que vous traversez tout ça, arrivé à la Maison Longue, naturellement, vous êtes intercepté par des gardes. Alors comme je disais, hein, la Maison Longue, en fait, non, ça ressemble, on appelle ça la Maison Longue, mais c'est pas une Maison Longue. C'est un bâtiment tout en pierre. Il n'y a que le toit qui est en bois, en chaume. Mais voilà, tout le reste par contre c'est de la grosse pierre, la grosse pierre taillée. Moi, j'avais juste une petite question sur le chemin en passant au niveau des échoppes. Je demande comme ça à quelques personnes, quelques commerçants. Dites donc, avec ce froid, ça va aller pour les denrées de saison, tout ça. Il n'y a pas des choses qui gèlent, non? Ça va? Ah bah, quelqu'un qui vend justement peut-être des légumes sur le. Il dit bah oui, ça commence à poser un problème. Là, on commence à récolter, mais il y a certains légumes qui sont pas encore arrivés, ils sont pas encore assez gros, donc oui, ça va poser forcément un problème, hein. Mais le Stormy Calt. Stormy Calt doit faire une doit mener une cérémonie, on doit organiser des sacrifices à Stormy, donc après tout ça après ça ira mieux normalement. Merci, bon courage. Et donc à l'entrée de la. Vous arrivez en fait devant une grande porte en bois massive. Et enfin, cerclé de métal, fer forgé et tout, sculpté. Toute la pierre autour de l'encadrement de la porte est lui aussi très finement sculptée. Et il y a deux guerriers en cotte de maille, cotte de maille bouclier, un avec une lance, un qui a une hache à la ceinture, avec casque de métal sur le crâne. Des brassards en cuir renforcés de métal aussi. Des types qui mesurent dans presque 1,90 m, des assez costauds, avec des capes avec des grosses capes en laine bien épaisses. D'ailleurs, c'est là que vous vous dites que vous avez chargé Svea d'aller en chercher ce matin. Et vous avez un petit peu froid quand même. Et lorsque vous approchez, l'un des gardes s'avance,
tend la main tend sa main devant vous pour vous signifier d'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez? En vous regardant tous les deux, les deux. Bah, je lui montre le bracelet que je porte. Ouais, c'est un beau bracelet. Il nous a été remis par Ymir, la jarle de Jägersheim. Oui. Et ceci, et donc je lui montre la lettre que j'ai dans la main avec l'anneau, est une lettre de sa main. Nous voudrions une audience avec Octar, votre jarl. C'est très urgent et très important. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que je lui dis au Jarl? Qu'est-ce qu'il veut le voir? Refna et Runa. Et nous savons pourquoi il fait si froid en ce moment le matin, et nous savons pourquoi il va faire de plus en plus froid. Quand tu lui dis ça, il y a un petit moment de silence. Il n'a pas dépli, il n'a pas ouvert la lettre, rien du tout, hein, parce que est-ce qu'il sait lire en plus? C'est pas sûr. On va attendre ici, nous vous remettons la lettre de votre confiance. Il apprend, il entre, un autre guerrier vient prendre sa place, et vous poireautez comme ça pendant plus de 10 minutes avant qu'il revienne, il vous fasse signe de rentrer. À l'intérieur du bâtiment, alors j'avais pas dit, mais il y a une espèce, il y a un petit, il y a un mur d'enceinte en fait autour, mais les portes étaient ouvertes, vous avez pu rentrer. À l'intérieur du bâtiment, en fait, vous allez être mené dans une salle, une grande salle, une grande salle où il y a toujours c'était ce grand foyer central, hein, qui est un peu qui est typique, qui brûle. Il y a quelques tables autour et il y a un trône en bois magnifiquement sculpté. Les poutres au plafond, c'est pareil. En fait, il y a des espèces de grands chandeliers, de grands lustres en fer forgé qui pendent avec des bougies qui ont coulé, qui ont dégouliné, voilà, et qui sont certaines encore allumées. Il y a l'odeur du feu et aussi une odeur de nourriture qui flotte dans l'air. Il y a à peu près une demi-douzaine de guerriers qui sont là, qui montent la garde à différents endroits de la pièce. Et il y a deux types qui sont, un qui est assis sur le trône, que vous pensez être Octar, notamment par rapport à ce que toi tu as entendu, et un homme plus jeune, beaucoup plus jeune. Le plus jeune doit, vous pensez qu'il doit, il a l'air d'avoir peut-être 25 ans, 26 ans, c'est tout. Alors que Octar, ouais, comme on t'a dit, il est certainement plus proche des 70 que des 60. Ils sont tous les deux. Alors le plus jeune lui est vêtu d'une armure de cuir assez de très bonne facture. Il porte avec on va dire une ceinture, il a une épée au côté. Il a le crâne entièrement rasé comme beaucoup de guerriers de la Terre des Tempêtes. Que la tradition veut que lorsque on se laisse pousser les cheveux. Jusqu'au premier adversaire qu'on tue, jusqu'au premier homme qu'on tue, à ce moment-là, la tradition veut que on se rase le crâne. Certains gardent le crâne rasé, d'autres laissent une mèche de cheveux pousser, voire se laissent repousser les cheveux. Mais voilà, souvent les guerriers ont le crâne rasé ou en partie, en tout cas. Il a une barbe assez courte et plutôt bien taillée.
Et vous voyez que donc lui, il a le crâne complètement rasé, et dans sa, vous voyez que sa barbe est juste tenue avec un gros anneau. Et donc les deux hommes sont en train de discuter. Et le vieil homme redresse la tête et vous fait signe d'avancer. Et autant là où le plus jeune est habillé avec, donc avec son armure et des vêtements de très bonne qualité, le vieux, lui, par contre, il a l'air d'avoir de beaux vêtements en dessous, mais il a une très lourde cape en fourrure sur les épaules. Et son visage est recouvert de tatouages. Je vais vous partager. Leur portrait, c'est ça que tu as? J'ai celui du Jarl. Voilà. Voilà, vraiment engoncé dans cette énorme cape, avec des vêtements et des broderies qui apparaissent un peu en dessous. Vous voyez que posé à côté de son trône, il y a, comment dire, une table, et il y a une épée dans un fourreau qui est posée là. Et donc, ouais, lui, il a donc des tatouages sur les joues, sur le front, est entièrement recouvert de tatouages. Il a une barbe assez courte, grise, des cheveux, pareil, des cheveux un peu plus longs, gris-blanc. Et un regard bleu assez pâle. Et lorsque vous approchez, il vous montre la lettre qui lui a été remise. Je suis le Jarl Octar. J'ai bien lu ce message. C'est donc Ymir qui vous envoie. Tout à fait. Refna, je m'incline. Je fais pareil. Oula, je m'incline. Et vous êtes du clan Wolfer aussi? Oui. Bien, il fait signe à quelqu'un d'apporter un banc pour vous. Et le jeune reste là, il est à côté du trône. Le Jarl pose la lettre sur la table où il y a son épée. De ce que j'ai cru comprendre dans la lettre d'Ymir, vous êtes là pour annoncer de très mauvais présages, si j'ai bien compris. Hélas, oui. Et qu'est-ce qui vous amène exactement? Vous avez dit à mon garde que vous saviez pourquoi il faisait froid et que vous saviez que. La dame de givre est de retour. Le Jarl a un sourire qui apparaît sur. Ah. Nous avons été témoins, là où nous habitons, de choses très étranges. Et comme nous avons à cœur de protéger notre village, nous avons été plus avant. Nous avons découvert de notre village, un bien étrange culte, des gens qui priaient la dame de givre, Dormicalt, qui lui était complètement dévouée. Et nous avons vu de ses yeux vus les serviteurs, les Vorka, c'est ça, ces gardes. Nous en avons combattu nous-mêmes. Et ce ne sont pas des histoires pour émerveiller les enfants coin du feu le soir. Nous avons éradiqué la plupart de ces adeptes au sein de notre village. Nous avons été avertir
que des troupes se déployaient. Et sur notre route, nous avons été rattrapés par plusieurs adeptes qui avaient réussi à s'enfuir. Et ils portaient sur eux un petit éclat de givre noir. Qui, après qu'ils aient proféré quelques mots, s'est développé, a grandi dans toute la pièce. Et ma sœur ici a failli en mourir. Plusieurs autres personnes présentes aussi. Et Ymir a accepté en échange d'une offrande très, très coûteuse. Et là, je passe la main sur la cicatrice, la balafre sur ma figure, d'interroger Vindina. Vindina lui a confirmé, comme à notre Stormical dans notre village, que la Dame de Givre est bel et bien de retour. Son armée se rassemble. Voilà pourquoi il fait si froid le matin et voilà pourquoi le givre en cette saison. Il échange, il dit rien, il échange un regard avec son... En fait, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un air de famille entre les deux. Et... On regarde tous les deux... S'il n'y avait pas cette lettre, s'il n'y avait pas envoyé, envoyé par Ymir, je vous aurais jeté dehors en vous voyant au nez avec un bon pied au cul. Mais Ymir a la réputation d'être quelqu'un de juste, qui ne ment pas, et encore moins, et qui écoute les dieux. Si Ymir vous a envoyé ici comme pour annoncer ça, est-ce que vous dites quelque chose qui lui a été rapporté par Vindina elle-même? Je ne peux pas ne pas voir. Peut-être que Kilaran vous en aurait voulu si vous nous aviez foutu un pied au cul. Kilaran. Ça le fait réagir quand je dis ça? Non, tu... Déjà, quelqu'un, je suis censé le connaître. Vous ne connaissez pas Kilaran? Non. Ben c'est l'un des derniers survivants à avoir... participer au combat contre la Dame de Givre. Dans ce cas-là, il est mort depuis longtemps. Non. C'est un alphar. Et pourquoi pensez-vous que si je vous avais chassé un grand coup de pied au cul, ça ne lui aurait pas plu? Parce que ça nous aurait peut-être empêché de le retrouver. Vous êtes ici. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Nous sommes ici pour vous avertir, comme nous essayons d'avertir tous ceux que nous croisons sur notre passage. Nous avons choisi d'aller chercher qu'il reste peut-être de l'ordre du point de fer qui a combattu. Ce qu'il reste, c'est bien le. C'est bien l'expression qui convient. Nous sommes surtout ici sur les conseils d'Ymir pour voir si vous seriez enclin à réunir tous les jarls parce qu'apparemment Ymir nous a expliqué que c'était ici que se faisaient les rassemblements des jarls. Et nous a demandé de voir si s'il était possible de qu'on vous le demande. Donc voilà, on vous fait part de ce que nous a dit Ymir. Je pense que
deux attitudes vont être possibles. Il y a toujours ceux qui n'écoutent pas les présages, ceux qui rient aux mauvaises nouvelles et puis qui pensent s'en sortiront toujours avec de la chance. Et puis il y aura les gens éclairés qui écouteront cette parole, qui écouteront les présages des dieux et qui se prépareront. Et nous sommes unis, nous nous armons, si nous nous préparons, peut-être aurons-nous une infime chance de survivre. Peut-être que pour vous, mon jarl, Kylaren, vous êtes inconnu, mais sachez que ce personnage est intervenu dans les visions déjà de notre Stormycalt dans notre petit village, à Sundbéjar, mais il a aussi été dans les visions de Ymir. Donc, si il apparaît dans les visions de deux Stormycalt différents à un laps de temps très très court, c'est que à mon avis, il doit avoir un rôle à jouer dans ce qui se passe dans les événements en ce moment, je pense. Personne n'est pas très loin d'ici. Enfin, pas très loin. Elle est à 1 000 isolée. Elle est Elle garde. à... Voilà. Et nous souhaitons lui envoyer un message pour savoir si il pourra nous donner d'autres informations pour savoir comment la Dame de Givre a été défaite il y a cela plusieurs centaines d'années. Nous essayons d'en apprendre le plus possible sur cette bataille qui a eu lieu jadis pour savoir comment la combattre aujourd'hui. Je Pour ce sais qui que est... tout ceci a l'air d'une légende, mais le givre que vous voyez tous les matins n'en est pas une. La population le sait que le froid s'abat tous les matins, toutes les nuits, la température qui diminue. Tout le monde s'en rend compte. Ce n'est pas tout à fait normal. Les Stormycalt de Winterhaven multiplie les sacrifices. Que nous avons commencé par quelques sacrifices d'animaux. Il y a eu aussi ces derniers jours, il y a eu quelques sacrifices humains aussi. Et cela ne change rien. Donc, je sais pertinemment que ce qui se passe n'est pas normal. N'avait pas ce... Je ne pensais pas du tout à cette histoire de la reine de givre. Pour ce qui est de convaincre les jarls de venir ici, je peux faire envoyer un message. Faire envoyer un message. J'ai les moyens, que ce soit fait très très rapidement. J'acquiesce pour le remercier. Maintenant, je ne garantis pas qu'ils répondent tous à l'appel, ni même qu'ils se dépêchent de venir. Dans le meilleur des cas, si je fais convoquer les jarls, celui qui vit et ceux qui vivent le plus loin, ce sont les jarls du clan Ulfeur, les jarls. Le jarl du clan Uvale et le jarl du clan de l'Aubépine sont les plus loin. Les autres, les jarls du clan de. Les jarls du clan de la Hache Bleue, le clan. Enfin, la Hache Bleue, le clan de. J'ai plus le nom. Satigia, le clan, il y a aussi le
Le clan Stark. Oui, un clan Stark. Le coin et le jarl du clan Balgor n'est autre que le principal Stormycalt de Yordek. Eux, ils sont relativement proches. Ça peut prendre, mais pour les autres, cela peut prendre plusieurs jours, voire des semaines. Mais je pense que mon jarl, vous avez une grande notoriété et vous êtes respecté, j'imagine, n'est-ce pas? Naturellement, sinon ce ne serait pas à moi que. Donc j'imagine que si dans votre message vous êtes assez explicite, je pense que ils viendront parce que vous n'êtes pas du genre à raconter des bêtises dans vos messages. Donc Tu vois qu'il a un sourire en coin et ne sous-estimez pas le. Sous-estimez pas les. L'idiotie de certaines personnes. Ouais, mais là, le problème, mon jarl, c'est que l'idiotie peut amener à des morts, et beaucoup de morts. Bien sûr. Nous, avec ma sœur, depuis qu'on est parti de notre petit village, on essaye d'avertir le maximum de gens possible. Donc voilà, j'aimerais que la totalité vienne. Ça serait bien pour notre peuple, sinon, il va y avoir beaucoup de morts. Façon, nous nous en remettons complètement à vous et nous allons poursuivre notre route pour Oui. chercher le plus de d'éléments, le plus d'informations sur les moyens de mettre un d'arrêt à cette dame de givre. Et nous laisserons après, je pense que Ymir vous rejoindra et elle sait ce que nous savons. Sa vision et sa parole parlera plus que nous, car elle est plus reconnue et plus respectée. D'ailleurs, mon jarl, là, tout à l'heure, est-ce que vous auriez des nouvelles de l'Ouest? Est-ce que vous auriez des nouvelles du pic d'Askir, par exemple, ou pas du tout? Non, mais je peux. J'ai moyen de contacter jusqu'au pic d'Askir. Parce que, visiblement, de ce qu'on a compris avec ma sœur quand on a découvert le fameux temple dont elle vous a parlé tout à l'heure, il nous a semblé que la troupe se dirigeait vers le pic d'Askir. Donc, ce serait bien d'avoir des nouvelles. Donc, si vous avez la possibilité, oui, faites-le. Ce serait bien d'avoir des nouvelles de l'Ouest. Je peux faire en sorte de communiquer avec eux. Et une dernière chose, pouvons-nous la possibilité d'envoyer un message pareil, officiel à la personne dont vous avons parlé, à Kilaran, afin qu'il puisse vous rejoindre aussi. Le problème, c'est que ce Kiran, je ne sais pas qui c'est. Laissez-nous écrire le message et vous laissons le soin de lui faire parvenir. Non plus, nous ne le connaissons pas, mon yard, mais on sait où il est. À peu près. Les messages que je vais envoyer pour convoquer les Jarls, je ne vais pas simplement envoyer des oiseaux. J'ai à ma disposition j'ai les services de quelqu'un qui va utiliser le Vitner pour envoyer ses messages. Peut-on faire de même pour Le problème pour que ce Kylaran, c'est que nous ne savons pas qui il est, nous ne savons pas exactement où il est, nous l'avons jamais vu. Nous en avons une description assez précise avec les visions que nous avons de lui. N'est pas en possession, n'est pas en possession d'un objet particulier. Ah, d'accord.
Eh bien, dans ce cas-là, nous lui remettrons un simple message, peut-être porté par un messager ou. Vous avez dit qu'il vivait sur une île. Il est sur une île. Kilaran, ouais, c'est ce que vous avez raconté, c'est que apparemment il vivrait sur une île assez difficile, Isolé. assez isolée, ouais, au large de la ville du port de Helgard, sur les terres du clan Uvale. C'est ce que vous aviez eu comme information de la part des Il est érudits toujours vivant qu'il faut le chercher. de Jägersheim. Je peux en toucher un peu, en toucher un On sait mot. qu'il est âgé, qu'il a l'œil Un œil en droit moins. crevé. Ah, c'est assez précis comme description quand même. Zalfar a l'œil droit crevé, il ne doit pas y en avoir 150 non plus au kilomètre. Mais vous connaissez un peu l'histoire des régions, l'île dont on vous parle, ça vous dit quelque chose? C'est un territoire alpha ou... Non, je ne pense pas, non, les Zalfar vivent sur leur... C'est qu'ils vivent principalement sur l'archipel de Soj, au sud des terres du Midland, mais une île Alphard au large du clan Uvale, jamais entendu parler. À moins que ce soit une île tellement insignifiante que Possible. personne ne se prête vraiment attention. Vous savez, des alpharins, nous n'en voyons pas souvent, voire très rarement. Mais je peux demander confirmation au Jarl Vret, Jean Ouveil. Merci. Comme je vous l'ai dit, je peux leur envoyer un message, je peux les convoquer. Convoquer une assemblée des Jarls. Il faudra un certain temps avant qu'ils se déplacent et qu'ils arrivent ici. Cela prendra très probablement, dans le meilleur des cas, une bonne semaine. Voire peut-être même un peu plus. Pas toujours plus rapide que ce que nous pouvons faire que toutes les deux. Bien, bah, dans ce cas, vous n'avez pas d'autres questions poser. Alors là, on n'a Oui. pas joué toute la conversation, mais c'est vrai que en fait, il vous a quand même posé quelques questions sur exactement ce que vous aviez vu, les Oui. Svorgas, si c'était sûr, voilà. Avec ce que vous avez pu lui expliquer, oui, il a. Avoir fait le tour de la question. Après, je lui dis qu'on reste à sa disposition, qu'on est à l'auberge de sa ville pour l'instant et que s'il a besoin de nous, qu'il nous fasse appeler et viendra. Bah, de toute façon, pour l'instant, On va laisser appeler tout le monde et envoyer ses messages et tout ça. maintenant, comme je vous ai dit, ça prendra au minimum une semaine. Donc, Va pas rester là pendant ce temps-là, de apparemment. toute façon, il a plus besoin de nous. On lui a exposé le truc. Lui, c'est à lui après à répéter aux autres. Hein. Nous, on n'est pas obligé de rester ici. Est-ce qu'on n'a plus de morceaux de givre noir? On n'avait plus voilà, Non. de preuves matérielles, entre guillemets. On n'a plus de quoi convaincre. Non, Donc. et je me demandais, par contre, je me posais la question, Runa, est-ce que tu as amené dans la conversation le fait que, selon Ymir, tu avais la protection de Stormy face à ce qui se passe? Non, pas du tout. J'en étais sûr. Non, 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 pas du tout, du tout, du tout. J'en étais sûr.
Donc, Je m'en vante pas. On va arrêter, hein? Bon. s'il y a sens, si, enfin, qui que ce soit qui viendra assister à l'Assemblée des Jarls. Par contre, à ce moment-là, vous devrez être là. De quoi? Je demande à ce que vous soyez là à l'Assemblée des Jarls. À quel honneur? En l'honneur que tout a commencé, c'est vous qui avez amené l'information. Dans la lettre que Ymir a écrite, elle a confiance en vous. Elle a insinué que vous étiez très impliqué et personnellement touché par cette histoire. Et que qui d'autre que des gens qui ont réellement vécu ce qui vous est arrivé. Voilà, votre témoignage aura beaucoup plus de poids que le Ouais. témoignage de quelqu'un qui l'a entendu de la voix de quelqu'un d'autre. Alors certes, par contre, nous ne pourrons pas attendre indéfiniment ici parce que, comme vous l'avez compris, nous avons d'autres endroits qui nous attendent et d'autres ressources que nous devons aller quérir, le point de fer, d'autres personnes. A vu dans ses visions et nous ne pourrons pas attendre au-delà d'une semaine, voilà, 8-9 jours Si vous maximum. voulez réellement aller vous enquérir de l'ordre du point de fer, Yordex ne se situe qu'à peine 2 jours d'ici, Très bien, de bah, marche. donc nous allons Si faire vous le cela. souhaitez, si vous le souhaitez, si vous trouvez un navire qui est prêt à vous y emmener, vous mettrez à peine plus d'une journée par la mer. Très bien, merci pour votre conseil avisé. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque l'Assemblée devra se tenir, elle sera annoncée à travers tout le Vidland. Donc, du coup, il nous a bien fait comprendre qu'il fallait qu'on soit là, quoi. Ah ben là, oui, je Ah, pense qu'on n'a pas le choix. ce qu'il vous a dit, c'est que apparemment, c'est même pas que lui, c'est même Ymir qui l'a insinué dans sa lettre. Bon bah Alors oui, peut-être que effectivement, il y a aussi le fait que Ymir ne vous l'a pas dit, ne vous en a pas parlé, mais elle a l'air bon de vous avoir mis assez en avant dans sa lettre. tiens bah quand on a terminé cette conversation on demande l'autorisation de se retirer Naturellement. et puis on rentre à l'auberge hein. Ouais. Et du coup. En rentrant à l'auberge, je te parle de l'épisode de hier soir avec la corne. Et du coup, je te la rends parce que du coup, elle sera peut-être plus utile à toi. Parce que comme maintenant tu sais à quoi elle sert, bah ouais, une volée de corbeau, ça peut te servir, quoi. Donc, Quoi exactement à faire voler? ben en fait, quand tu souffles dans la corne, tu invoques une volée de corbeau. Soit pour attaquer, soit pour te défendre. Donc toi qui es en accord avec les animaux, je dis ça te servira à toi, quoi. À Bon, moins que tu veuilles d'accord. vraiment me la laisser, sinon je te la donne. Ah, bah c'est bien. Bah, d'accord. C'est un peu encombrant, mais. Ah, mais je la garde sinon, si tu veux. Ah non, mais la corne, elle n'est pas si grande que Ah, ça. je voyais un long truc, Ah moi. non, la corne, elle doit faire peut-être. Ouais. Peut-être le 40, 40-50 cm. Non, C'est c'est. pas dans la Oui. poche non plus, quoi. Ça tire pas dans la poche non plus. Mais c'est pas non plus. C'est D'accord. pas la corne. Bah, tu l'as pas à ta ceinture ou je sais pas moi, tu veux quelque chose. Et si vraiment tu la veux pas, je la garde. Hein. Reste là, y a pas de problème. Je vais la prendre. Merci beaucoup. Voilà, du coup, c'est Refla qui a la corne. Bien, est-ce que Svea est là ou pas quand on arrive? Bon. Je lui tape sur l'épaule Elle s'est pas ouvert les veines. Non. Sur vos lits, j'ai posé les manteaux.
Merci. Elle dit ça sur ce ton-là, comme tu le dis? Ouais, un peu. Oui, ça. Style 2, ça va. Ah, ça y est, elle est entraînée. Plaisante. Ah, ça va. Non, mais maintenant elle connaît les bases. C'est bien. Ça lui évitera peut-être de se retrouver avec ma tronche. Et sur ce, vous voyez ils deux arriver. Et ils deux, en fait, Svea elle lui a fait des, elle a dû lui faire des tresses dans les cheveux, un truc comme ça. Et surtout, c'est que, Ah, quand même. ouais, et c'est surtout que Svea, en fait, lui a rasé une partie du crâne. Et le truc, c'est que bah, vous vous rendez compte que Svea lui a fait une coiffure qui ressemble un peu à la sienne. Oui. Elle a le crâne rasé des deux Non, côtés c'est pas vrai. avec une. Oh, Colgrim, il va gueuler, quoi. Il va pas gueuler parce qu'il peut Non, plus, mais. il peut plus parler, mais il peut crier quand même. Oui, tant que t'as les cordes vocales, tu peux. Après, tu fais des trucs inarticulés, mais c'est pas grave. Et vous voyez qu'elle est quand même. Voilà. Elle a la ceinture, elle a le poignard à la ceinture et tout ça. Hein, C'est parti, ça rigole plus. Une après-midi, et voilà, quoi, ça y est, c'est transformation. Matinée. Je t'avais demandé de la garder, Svea, pas de la transformer. Refna m'a demandé de l'entraîner au couteau et d'en faire une guerrière. Ouais, on t'a pas demandé d'y raser la tête. Hein. Je t'ai pas dit. Bon, bref. Bon, merci beaucoup, Je suis Josvea. désolé, une guerrière avec des cheveux longs qui lui tombent sur la figure quand elle se bat, non, ça peut te déconcentrer si tu vois pas bien d'un côté, c'est là où tu prends un coup d'épée de ce côté-là. Svea, j'ai les cheveux longs, ça m'empêche pas de me battre. Hein. T'es pas une guerrière. Pas une guerrière, tu veux qu'on sorte dehors? Mais Runa, c'est bon, c'est bien, on va pas s'énerver, on va se battre entre nous, on a déjà acheté manger. Salut, salut gentiment. Moi, on me demande d'en faire une guerrière, j'en fais une guerrière. Voilà. On n'a pas demandé à en faire une guerrière, on t'a demandé de l'entraîner pour qu'elle se défende. Du coup, je me rapproche de Refna et tout doucement, je lui dis, la prochaine fois, il faudra bien choisir nos mots quand on dit des choses parce que. Bon, pas de messe basse, c'est vexant. Moi, je suis un peu fatiguée là parce que entre les explications avec le Jarl, tout ça, je suis un peu lasse, mais bon. Allez, Donc. il 2, elle est quand même. Elle vous dit aussi qu'elle. Par contre, elle vous dit qu'elle est contente parce que. Ouais, vous êtes entraîné, parce que là c'est juste le midi, hein, c'est juste la matinée que vous avez pas passé toute la journée chez. Alors peut-être non, peut-être en début d'après-midi. Ouais, parce que Vous avez c'était peut-être encore là. voilà Hein. en début d'après-midi et voilà il te par contre elle est contente de vous dire que ce midi en plus de ça Svea elle lui a laissé boire de l'hydromel et tout ça. Oh là là, tout ce qu'il faut pas, quoi. Bon, alors, du coup, en fait, nous, il va falloir qu'on parte pour le clan. Comment? Oh, je suis fatiguée, je trouve plus mes mots. Pour le clan. Pour your deck. Rapidement. Ouais, à part qu'on aille à leur deck, du coup, on va partir que toutes les deux, donc en fait, tu vas avoir de la rallonge avec Elite 2, en C'est pas une bonne idée. Non, je disais Même ça parce hors que jeu. dans l'état dans lequel elle est, il va pas lui laisser 3 jours de plus, tu vois. Moi que ça lui plaise que sa fille devienne une guerrière, on va essayer de bien lui présenter les choses. Plus, faut pas que ça le déconcentre pour qu'il puisse avoir son travail. C'est pas le moment de nous mettre en vrille. Ouais, c'est clair. Bon. Je sais pas, genre, il y a un sacrifice de prévu ce soir, histoire qu'on se change les idées, ou je sais pas, on peut faire autre chose. Non, les sacrifices, vous savez pas si c'est vraiment ce soir ou pas. Ils ont dit dans les jours qui viennent, D'accord.
Ils vont Bon, organiser. bah du coup, il faut aller négocier un bateau là. Putain, il a quand même dit le Jarl que le Stormy Cald, enfin le Stormy Cald, je sais pas combien il y en a ici, il avait fait sacrifier ces derniers temps. Et il a rien relevé de spécial. Bah, il est Non, non. pourri. Non, Non, je dis pas ça. ils ont fait des sacrifices d'animaux au début, ils ont même fait des sacrifices. Des sacrifices qu'ils ont fait, ils ont fait un sacrifice humain. Oui, mais c'était peut-être pas pour avoir une vision. Ça Non, devait être non. juste pour demander. Dis-moi, Refna, tu veux pas aller récupérer une abja quelque part? Non, c'était par rapport. Apparemment, c'était pour essayer de contenter les dieux pour que Voilà, c'est pour ça. la C'est température des qu'il sacrifices fasse moins froid et tout ça. de contentement. Ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi il faisait froid, en fait. Ils n'ont pas demandé de vision. Bah, je voulais y demander, mais bon, en même temps, dans chaque truc, on le demande. Alors, parce qu'ils ont l'air de pas nous croire chaque fois, donc. Mais bon, là. Là, écoute, on va demander, on va chercher un bateau là pour aller à Yordek. Par contre, voilà, est-ce qu'on prend qui y va quoi? De quoi? Pour faire quoi, pardon? Pour aller à Yordek en bateau, qui vient? Bah du coup, à mon avis, ça laisse pas trop le choix, hein. Toi, SBA? Ah non, Runa, je te laisse pas plusieurs jours. Non. Ouais, mais je vais pas laisser la petite. Je vais pas laisser la petite toute la journée toute seule ici. Et ben, elle vient avec nous, on y va toutes les deux avec. Tu veux prendre la petite avec nous? Parce que tu crois que. SVA m'entend pas. SVA. On a cette conversation loin de SVA. D'accord. Je dis, mais parce que tu vois la laisser encore plusieurs jours comme ça, SVA? Et on revient, je suis sûre Ben, qu'elle a marié. c'est soit Svea qui reste avec elle, là, ici, soit une de nous deux. Non, et on la prend avec nous ou quoi? Il y a Ben, j'ai pas pas de envie. bateau. Ouais, mais j'ai pas envie d'exposer encore plus au danger, la pauvre Mais quel petite. danger? Elle sera avec nous deux. Une journée de bateau et là-bas, on va discuter. On va pas chasser la Habja, ça va, hein? Ben après, enfin, c'est pas notre fille, hein. Il faut aussi demander la permission à Colgrim, hein. Oui, bah Colgrim, si elle lui raconte qu'elle boit de l'hydromel, qu'elle s'est fait raser la tête et qu'elle s'entraîne à se battre, je ne sais pas ce qu'elle va faire demain, tu vois. Du coup, ok, d'accord, on la prend avec nous, mais bon, il va falloir demander à Colgrim ce soir, quoi, s'il est d'accord. Elle est rien par rapport à son mode de vie, hein. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est. Pas comment on dit à cette époque-là, elle est majeure et vaccinée, elle est. Est Svea? responsable de sa propre De quoi destinée, Svea? oui. Enfin, en même temps, Svea, c'est quand même le Jarl Berg qui lui a quand même donné l'ordre de partir avec vous et de vous protéger. Hein. Bah oui. Donc, elle reste quand même, elle est quand même votre garde du corps. Et eh ben, elles viennent toutes les deux avec nous, voilà. Ah ouais, si Colgrim il est d'accord, oui. Bon, il va y avoir intérêt à lui mettre les cheveux du détaché là pour ce soir, pour qu'il voit trop. Oh là là. Ben moi, je sais pas si vous avez des trucs à faire dans la journée. Bah du coup, bah allez voir. Bah non, faut pas le déranger dans la journée. Moi, de à faire dans la journée, non. Par contre, j'aurais dû le faire avec le Jarl, mais j'ai pas pensé. Peut-être demander au tavernier, là, à l'aubergiste, s'il y a une sorte de. Parce que comme j'ai entendu le Jarl parler de Vitner, j'imagine qu'il doit y avoir un tisseur. Qui doit être à ses ordres, quoi. Demande s'il n'y a pas une école ou tu sais, un truc du style, un institut, un temple, je sais pas, des tisseurs, ici. Non, quand tu poses la question, quand tu poses la question, on te confirme qu'il y a bel et bien il y a bel et bien un tisseur qui est aux ordres du Jarl. Un vieux tisseur qui s'appelle Wiglaif et qui est à ses ordres depuis des années. Mais par contre, il n'y a pas de
Il n'y a pas de d'école ou de truc où tu peux retrouver plusieurs tisseurs, non. Ça, il n'y en a pas. D'accord. Et au cas où je demande, même si c'est le mec, c'est un bouseux, hein, je demande s'il a plus de détails sur le tisseur, s'il sait de quel côté il est, quoi. Si c'est j'imagine que ça va être un mec qui fait du vitenard neutre, j'imagine, mais bon. Je demande au cas où s'il le sait ou pas. Bah, quand tu lui poses la question, tu sens très vite que le mec, il n'a aucune idée de. Pour lui, un tisseur de Vitner, c'est un tisseur de Vitner. D'accord, mais c'est bien ce qui me semblait, il comprend rien, mais ok, d'accord. D'accord. Je demandais au cas où. Tu sais que c'est le genre de truc, le rare sont les tisseurs de Vitner qui manipulent le Vitner sombre qui s'en vantent. En règle générale, voilà. Eux, ils sont tisseurs de Vitner et puis on va pas plus loin. Ok. Je le remercie, et puis je retourne avec F. Et puis après, non, bon, franchement, dans la journée, à part peut-être, mais bon, ça c'est vraiment pour. On n'est pas obligé de le jouer, mais je voulais prendre Hilde 2 et aller peut-être aller voir son père bosser manière, tu vois. Comme. On n'est pas obligé de le faire, quoi. Non, vaut mieux peut-être pas qu'il la voie pendant qu'il travaille, ça risque de le déconcentrer et on ne sait pas trop comment il va réagir. Donc. Ben, je le fais en rapport à ce que me dit Hilde 2. Je lui pose la question en fait. Je lui demande si elle veut aller voir son papa travailler. Si elle préfère rester là, on reste là, quoi. Voilà. C'est selon ce qu'elle a envie de faire, quoi. Elle te dit, mon père, ce matin, il m'a dit à ce soir qu'il rentrerait que ce soir. D'accord. Tu veux pas aller le voir, tu veux l'attendre, alors. Tu veux l'attendre ici. Bah, il m'a dit de rester avec m'a dit de rester avec Svea toute la journée. D'accord, très bien, on reste ici. Il n'y a pas de problème. Bah, moi par contre dans la journée je voudrais écrire le message pour Kilaran. Ouais. Mais tu veux l'envoyer comment, message? Bah payer un messager. Et on te demande où est-ce qu'ils doivent l'envoyer. Où est-ce Bah, qu'ils il va doivent. chercher, on va le payer grassement, il doit y avoir des aventuriers comme nous, quelqu'un qui, voilà, qui ça fait pas peur d'aller se renseigner sur un alphare à l'œil droit crevé. Ouais, alors, quand tu cherches un peu comme ça, en fait, juste ça comme information, c'est pas. Une question technique, à vol d'oiseau. Je dis bien à vol d'oiseau. L'île dont tu nous parles, elle est à combien de kilomètres? Je trouve le bon livre parce que je pense avoir un peu beaucoup de bouquins devant les yeux. C'est pas côté à côté, hein. Bah, si c'est pas côté à côté, laisse tomber alors. Parce que. Moi j'ai un sort pour envoyer des messages, mais c'est sur 10 km donc. Ah oui, non, 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 là c'est. Là tu peux compter 380 km au moins. D'accord, ok, ouais, bah, laisse tomber alors, c'est bon, c'est pas la peine. Bah alors, laisse mon histoire de message si je trouve personne prêt. Ah non, si t'as pas plus d'informations. Mais c'est hyper précis quand même! Un vieil alphare avec un œil crevé qui vit en plus on t'a dit qu'il vivait sur une île au large Ah bah c'est de Vindina, d'Elgar. hein. Si vous trouvez pas ça Là. assez précis, bah. Mais là, imaginons, là, en prenant le bateau, Ouais. il nous faudrait combien de temps pour y aller? Pour aller jusqu'à Elgard. Sur l'île, ouais, là où il est censé être. Attends, une île au large d'Elgard, il n'y en a pas non plus 15. C'est pas, t'es jamais allé à Elgard. En bateau, il vous faudrait presque une semaine de voyage. Oh, laisse tomber. Ouais, ça va, une semaine, c'est pas si long que ça, quoi, en fait. Allez, plus retour, et dans 10 jours, il y aura le conseil des Jarls. Non, mais pas pour. Je posais la question, tu vois, pour plus tard, pas Ah, pour maintenant. d'accord. Mais je pensais que c'était plus long que ça. Ouais, une semaine, ouais, c'est gérable, en fait. En fait, moi, je pensais que, ouais, une fois qu'on a fait l'assemblée des Jarls, on peut y aller là-bas. On va déjà voir comment ça se passe.
que là, du coup, toi, ce que tu veux faire, c'est aller au nord, là, dans la ville du nord. Parce que c'est là où on devait aller de base, il me semble. Ouais. Donc on fait ça. Puis on revient ici pour l'assemblée. Et après, peut-être qu'on peut aller sur cette fameuse île. Ça peut être ça le plan. Après, bon, ça dépend des événements qui vont se dérouler entre-temps, quoi. Très bien. Écoutez, moi je propose juste qu'on termine sur un dernier petit truc. C'est le soir à Si, l'auberge. c'est déjà fini, quoi. Le soir à l'auberge, Colgrim revient. Et lorsqu'il s'approche de la table, il regarde. Il en fait, relève la tête. Il regarde Hilde. Il vous regarde toutes les trois, Runar, Efna et Svea, et il vous fait signe, puisque en fronçant un peu les sourcils, et il vous fait un signe, le genre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi je désigne Svea direct. Alors, ce que Svea s'est dit, c'est que pour que ta fille forte, tu vois, reprennent le dessus et a envie d'affronter la vie. Ben voilà, elle a fait comme elle fait, elle, tu vois. Elle lui a appris à se défendre et du coup, elle s'est pensée. Et d'ailleurs, ta fille est très contente d'arborer cette chevelure, cette coiffure qui lui donne du courage et de la bravoure. Comme ça, tu pourras compter sur elle. Elle va t'accompagner avec force et courage. J'essaie d'être super Alors, convaincue. Hilde regarde son père avec un petit sourire. Svea qui, elle continue de manger. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Et Colgrim qui il se coule un peu la tête. Alors, j'aimerais que la deuxième partie tu feras un jet tout à l'heure. Parce que je suppose qu'il y a aussi la deuxième partie de la conversation où vous comptez lui annoncer que vous allez emmener sa fille avec vous. Ouais, voilà, ça va être marrant, ça. Non, non. Déjà, on lui demande comment ça s'est passé sa journée. C'est ça, caresser dans le sens du poil. Toujours. Bah, il fait signe que apparemment ça s'est bien passé. Et il a l'air content. Bah, là, le problème, c'est que. Fais-moi ton test, un défi de danger avec le charisme. Alors, juste quand même, c'est pas non plus que des mensonges ce que je lui dis. J'ai l'impression que Hilde, elle est quand même contente. Tu vois? Donc, je me dis, c'est peut-être pas si con que ça non plus. Alors, c'est le fait de lui avoir fait boire de l'hydromel, non, ça c'est pas très. Mais bon. Donc, le fait, si tu veux, en fait, elle a vécu un truc traumatisant, cette petite, et son père, il a pas pu se défendre tout seul et tout, ils ont été victimes. Donc, je me dis, le fait de la mettre dans un rôle. Tu vois, où elle peut prendre l'ascendant, bon, bah, ça peut. C'est une thérapie, quoi, en fait. Ben vas-y. Alors, c'est avec. Avec ton charisme. Ben, c'est 7. Un 7. Bon, tu vois, Colgrim, ça a l'air de l'avoir un peu embêté cette histoire de la coupe de cheveux, tout ça. Donc, du coup, il s'assoit à table, il regarde sa fille, il attrape le menton, il tourne la tête et tout ça. Il pousse un soupir, il attrape un pichet de bière qu'il y a sur la table, quelques trucs à manger, et il mange. Il mange sans rien dire, oui, forcément, parce qu'il a plus de langue, mais en plus de ça, voilà, il reste concentré sur son truc de temps en temps. Il jette un petit regard. Quand même, moi je lui demande est-ce que ça a été sa journée? Est-ce que Alors, il a l'air il te satisfait? répond oui sèchement, mais par contre, tu n'arrives pas à voir s'il est satisfait ou pas, parce que tu sens bien qu'il y a, y a le là ce que vous ce qu'il vient de voir, ce que tu lui as dit. Alors, par contre, t'es pas persuadé qu'il ait pris le truc, qu'il ait mal pris.
le côté ce que tu as dit, il y a peut-être que tes arguments effectivement Ouais, vont sont faire leur sensés et font chemin faire et... leur chemin. Mais en tout cas, là, tout de suite, maintenant, Ouais, et ça le dépite un peu et on ouais. n'était pas prévenu et ça lui fait un drôle d'effet, c'est normal. Voilà. Alors du coup, je lui résume qu'on a été voir le Jarl, qu'il va rassembler un signe extraordinaire avec tous les Jarls, etc., mais qu'il faut le temps de le rassembler. Et que pendant ce temps-là, nous, entre-temps, on va aller au clan du fer pour en apprendre plus. Et donc, soit on y va toutes les trois et on lui laisse sa fille. Voilà, mais on paye l'auberge comme s'il était engagé là. Soit s'il préfère être tranquille, on peut emmener sa fille. C'est à une journée de bateau et voilà. On laisse décider, il nous dira demain matin. D'accord. Que demain, il faudra qu'on aille voir pour trouver un bateau pour nous là-bas. Bon, très bien. Laisser le... Tu lui laisses. Et du coup, je me rapproche de lui et je lui dis, t'inquiète pas, si tu décides de nous la laisser, t'inquiète pas, je m'occuperai d'elle. Je prendrai soin d'elle et je la protégerai, ne t'inquiète pas. Quand tu lui dis ça, il te pointe du doigt. Quand tu lui dis que tu prendras soin d'elle, il Ouais. toi, à plusieurs reprises, en insistant bien. Et il pointe Svea et il te fait signe non. Confie à toi, pas à Svea, quoi. De quoi? En Il te fait, la confie à toi, il te mais fait, pas à Svea. voilà, il te fait comprendre qu'il te la confie à toi, mais Toi, il pas te fait Svea. confiance, mais pas à Svea. Ah oui, je fais oui, affirmative dans la tête, oui. Ne t'inquiète pas. Ok, très bien. Eh bien, écoute, avant d'aller vous coucher, de finir de manger tout ça, il vous fait, il, Runa, il te fait signe que oui, elle partira avec toi. D'accord. Très bien. Par contre, il te demande d'aller coucher île 2. Et il te fait signe que lui, il doit ressortir. Ouais, je lui demande quand même pourquoi il ressort maintenant. Tu fais signe, un signe un peu évasif. Et tu vas pas te mettre en danger. Tu n'as pas fait de bêtises, Colerie. Il dit que non. D'accord, ok. À voir. Très bien. Bah, du coup, je fais ce qu'il me dit, je vais aller coucher île 2, je vais m'occuper d'île 2. Très bien. Et dans la foulée, vous allez vous coucher ou... Moi, je veux juste passer au lieu de prière à Stormy. Ouais, donc c'est vraiment à l'extérieur, hein, tu traverses la moitié de Storhaven pour aller jusqu'au. D'un côté il y a le temple et de l'autre côté il y a aussi un peu plus loin que le temple, près des quais, des pontons, il y a les poteaux de sacrifice. Bah voilà, du coup je passe un moment là à me recueillir et puis après je passe un moment voilà au bord de l'eau, les bruits des vagues avant de repartir me coucher. D'accord. Ça marche. Et tu vas te coucher. Runa, toi, tu vas te coucher aussi. Oui. Svea, elle, vous avez vu, en fait, elle est partie discuter. Apparemment, Svea, elle a fait bien copain-copain avec un mec à la taverne. Ok, tu vas te coucher. Tu me lances un D6, s'il te plaît. D'accord.
Et vous allez dormir. Toi, tu vas revenir après ta petite promenade mystique. Vous allez passer votre nuit tranquillement. Le lendemain matin, vous allez vous réveiller. Et on va s'arrêter là-dessus. Runa, quand tu te réveilles, tu ne trouves plus ta lance. Enfin, ton espèce de bâton avec lequel tu te sers et pour le Vitner et sur lequel tu avais un paire de lances. Tu le trouves plus. Je le trouve plus. D'accord. Le trouves plus. Je suppose que je sais pas où est-ce que tu le mettais quand tu allais te coucher. Bah, à côté de moi, quoi. En tout cas, il n'est plus là. Vos affaires, votre argent, tout ça n'a rien à bouger. Mais tu n'as plus ton bâton.